Amérique Racist PMU. Du Sard, du Landré. Dans cette course-là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais ça va aller. Avec une bonne vision, de l'ambition, ça va aller. Faire sa place n'est jamais facile. Mais ça, ça va aller. Avec la bonne équipe, avec le soutien des parieurs, avec un partenaire qui partage la même vision. Ça va aller. The Turf, partenaire d'Infinity Nine Horses. The Turf, une histoire de turfiste.
Bonjour pour la journée du derby de Hong Kong sur les forums de Châtine. Avec moi, Gilles Barbarin. Bonjour Gilles. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Alors une belle réunion, on disait, on commence avec la course 5 qui va démarrer à 8h10, donc dans une petite dizaine de minutes. Les chevaux sont dans le rang de présentation. Ici, on voit que Jenny aime le 10, le 2, là c'est le 6. C'est-à-dire le numéro 10, Call Me Glorious, qui est aussi ton favori, je crois, Gilles. Oui, j'aime bien Call Me Glorious. Il a triomphé lors de son unique sortie sur l'hippodrome à Hong Kong. Et ensuite, on a en deuxième position, on a Kaying Rising, le 2, qui va être le favori énormément de la presse. Et puis ensuite, elle nous a indiqué le Last Go-Go Win, qui est une note qu'on reprend et qui est aussi pas mal donnée avec Hugh Bowman. Et enfin, le numéro 6, Solid Impact, qui vient de gagner, mais qui sera monté par Alexis Badel, qui a le 2 à la corde, donc pas mal de choses positives. Je ne sais pas s'il a une grande marge de manœuvre pour passer à la victoire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilles. Non, sans doute pas une grande marge de manœuvre pour ce Solid Impact entraîné par David Hall, concurrent qui a remporté sa course pour sa quatrième tentative de l'année. Tu parlais de Kaying Rising, le 2. Effectivement, pas grand-chose à lui reprocher. Hein. Je crois qu'il a couru 4 fois. C'est que j'en suis même persuadé. Il a couru 4 fois à Hong Kong, 4 fois à Châtine, en plus, 2 victoires de deuxième place. Il vient de triompher de peu devant Lady Choice, qui le jour nous a quelque peu laissé à notre fin. Alors que vous avez ici Alexis Badel en premier plan. Là. Avec Solid Impact, oui. Les chevaux qui se rendent au départ. Bon, Kaying Rising, un fils de Cham Express. Voilà, 1200 mètres, c'est son truc. Alors sinon, il y a les jockeys en forme. Alors, justement, le jockey de numéro 10, Call Me Glorious, donc, qui a gagné sa seule sortie à Hong Kong, c'est Lyle Hewitson qui a gagné les deux premières courses. Hein. D'ailleurs, les deux pour Francis, lui, l'entraîneur de Golden 60, par exemple. Oui, Golden 60, qui devrait effectuer son retour à la compétition. Le 28. Et ses adieux en même temps, je crois. Oui, donc, après, il n'y aura plus grand-chose à lui pour à courir. Et comme il a eu un petit contretemps, il n'a pas pu disputer la course, la Stewards Cup, en fait, qui avait été... remporté, zut, j'ai un trou, c'est pas California Spangle, qui c'est qui l'avait rapporté? C'était un outsider, c'était Victor the Winner qui l'avait gagné. Oui, Victor the Winner qui doit se produire ce matin. Il compte tout son destiné à Nagoya, sur les programmes de Shukyo à Nagoya, dans un groupe 1 sur 1200 mètres justement. Donc je sais plus qui avait gagné là, bon, peu importe. Enfin, pour revenir, on va parler de notre partenaire The Turf, qui propose des cotes et des paris à cette heure-ci. D'ailleurs, Kaying Rising est pour l'instant le favori. Il est à 3,80, associé à Zach Burton. On trouve très joué, le 6, Solid Impact, à 6 contre 1 avec Alexis Badel. Harry Bentley est également sur le 5, Prince Eleven, il est à 8,40. Il y a 6,20 pour la Go-Go Win, et mon ami Call Me Glorious, lui, le 10, est proposé à 8-10. Alors, les places à la corde peuvent avoir aussi leur importance. Hein. Le 11 dans les salles de l'époque par Kaying Rising, le 9 pour le 10 Call Me Glorious, pour les concurrents qui ont des petits numéros dans les salles, citons le 5 et le 6 qui ont respectivement le 1 et le 2. Je ne sais pas s'il y aura énormément de trains au départ, dans cette course. Je regarde rapidement, il y a un cheval qui peut aller devant, c'est le 3 Campione. On connaît, il va toujours devant, c'est comme ça qu'il fait sa meilleure valeur, mais il commence à trouver un petit peu le temps long. Sinon, qui on aurait qui pourrait un petit peu aller devant? Le numéro 7, Parterre aussi. Parterre qui avait gagné lors de sa troisième dernière course, le 12 février, dans une course de classe 4. Maintenant, il est monté en catégorie comme ici, classe 3. Et depuis, il a terminé 5e, puis 8e. La première fois en démarrant et en gardant la cinquième place à trois longueurs du gagnant. Et la dernière fois, par contre, en prenant un départ très lent, plutôt même pas très lent. Et il se trouve parce qu'il avait démarré en 10e position et il est venu finir honorablement 8e. Donc rien de spécial, mais lui, il peut aller devant en tout cas. Est-ce qu'on a d'autres Alors, pour aller devant on peut aussi signaler la présence de jockeys internationaux. Ton cheval, le 10. Comme le 4, Tornado Phantom, qui va être associé à Ryan Moore. Ryan Moore qui vient pour l'occasion monter, puisque c'est la grande journée du Hong Kong Derby. Il a gagné la troisième du jour. Hein. Voilà, et Ryan Moore donc est présent. Il y aura également d'autres jockeys, plutôt australiens, ou on verra ça tout à l'heure. Notamment Blake Sheen, qui vient de gagner le Golden Slipper, qui est la grande course de 2 ans de Rosehill Gardens à Sydney. Une course magnifique, je vous conseille de la regarder. Il a gagné au millimètre, au poteau. Et il va être associé tout à l'heure à Galaxy Pax dans Apache. Dans le Hong Kong Derby, on y reviendra tout à l'heure, ça sera la 7e épreuve du programme. On a la présence de Hugh Bowman, enfin là c'est, on en a l'habitude puisqu'il fait partie du top jockey à Hong Kong, et il est associé ici aussi à l'As, Go-Go Win qui a le 6 dans les stades de départ, Go-Go Win qui reste sur des sorties on va dire moyennes,
Mais Happy Valley, et il a une sortie aussi à Châtine entre-temps, c'était l'avant-dernière fois, en fait, c'était le 28 janvier, il terminait ce jour-là 8e, il avait le 12 à la corde, donc pas évident, sur 1200 mètres, avec Hugh Bowman déjà, il avait fini honorablement un petit peu en retrait, pas très... Ouais, au début, il avait mis derrière, le cheval était à combien ? À 22 balles, hein. Il était à 21 contre 1, donc c'était pas trop le grand jour. La dernière fois, en revanche, sur Happy Valley, 1200 mètres toujours, il avait le 8 à la corde, donc toujours mal placé. Et il est, par contre, là, il est revenu finir assez plaisamment. À Châtine, il a couru une dizaine de fois, il a déjà gagné une fois. Et sur ce parcours en particulier, il avait gagné. Il est couru 10 fois sur ce parcours à Châtine. Et il a gagné une fois troisième, trois fois quatrième. Oui. Alors, je regarde les cotes à Châtine pour l'instant. Il est à 8,60 à la gagne, 2,50 à la place. Et le grand favori est le 10, Call Me Glorious, à 2,40, 1,40 à la place. Suivent le 2 Kain Rising, on en a parlé, 4 euros à la gagne, 1,50 à la place. Et puis ensuite, il y a des semi-outsiders comme le 6 Solid Impact, 7,20, le 4 Tornado Phantom, le gris, qui est à 9. Vous allez voir, hein, facilement reconnaissable dans un parcours. Voilà, pour les chevaux les plus joués. Après, il y a des chevaux qui sont totalement abandonnés, comme le 3 Campion, qui est à 47, comme le 7, un parterre à 71 contre 1. Que dire alors du 9 Robomaster, qui est à 170 contre 1, et du 11 S-Wine, qui est à 107 contre 1. Voilà, alors qu'ici, vous avez Call Me Glorious à l'image. Et c'est le choix de Jenny, elle l'a trouvé très bien. Oui, je disais tout à l'heure. 10, 2, 1, C, 6, pour rappel. Oui, enfin, elle a trouvé que les favoris étaient plutôt bien, bien présentés. Mais ce qui est très marrant, c'est quand même assez curieux, Gilles, parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça si fréquemment que ça. En fait, on a quand même, regarde, 1, 2, 3, 4, 5 chevaux qui sont sous 8 à peu près, sous 8 contre 1, oui. C'est ça. Et sinon, c'est no chance. C'est vraiment du 100 contre 1 ou du 50. Donc, c'est assez curieux. Ah, il y a un artiste, ça, je ne sais pas. Regardez, il y a notre ami... Au premier c'est Larry. Larry Young. Larry est là. Qui grand copain d'Evric Vito. Parce que quand on était à Hong Kong, au mois de décembre... Excusez-moi, c'est oui. Faux, hein, rien. Évidemment, en tant que Français, à tenir haut de l'étendard de notre pays bordélique par ailleurs, nous étions un peu partout, ouais. Et notamment là où on n'avait pas le droit d'être. Enfin bon. Oui, ici, de 7 par terre, je le disais, hein, 70 contre 1. Alors pour l'instant, il n'y a pas de cote, enfin, il n'y a pas de mouvement significatif à la cote. Non, il y a eu quand même, si tu veux, attends. Kain Rising, qui baisse un petit peu, ouais. Ouais, parce qu'il est passé à 3,80 alors qu'il était à 4,90 déjà, il était à 4. Donc je pense qu'il va finir pas très loin de Call Me Glorious, qui lui par contre est affirmé à 2,40 et 1,20€ pour Call Me Glorious à la place. Pour moi c'est un mauvais pari à la place, hein. 1,30 maintenant. Alors toi tu serais plutôt placement de père de famille 2 sur 4 du 2 et du 6, du 2 et du 10 ou pas? Non, moi je jouerais pas ça en fait. Il y a un 2 sur 4. Oui. J'essaierais peut-être un truc avec As-2, tu vois, avec aussi le 4. D'accord. Et Rising, malgré son 11 à la corde, et puis Purton, je ne sais pas ce qu'il va nous inventer, le cheval, je ne pense pas qu'il puisse. Il peut peut-être prendre les devants, mais ça ne sera pas forcément facile, parce qu'il y a des courses à son intérieur, des chevaux à son intérieur qui risquent de lui répondre. Et il n'aura peut-être pas les coudées franches. Est-ce qu'il a la marge nécessaire pour ça? Il faut qu'il ait la marge. Ouais. Call Me Glorious, c'est peut-être un avion, peut-être que c'est juste... La dernière fois, il gagnait de longueur, c'est vrai qu'il avait gagné quand même très très facilement, et il a pris quand même 9 livres, hein. Donc ça va le calmer un petit peu. Les 3-5 bougent un peu. Ah oui, je ne sais pas quel est joué. Oui, non mais... Je vous disais... Alors, ils sont pratiquement tous dans les salles de départ, hein. Ne tardez pas à faire vos jeux, parce que ouais. Ça va dire peut-être. Moi, je mets bien As-2-4 et puis 10, voilà. Allez, il va rester le 5 à Prince Eleven. Et ils vont s'élancer, je le rappelle, à 1200 mètres. Il a dû pleuvoir un peu, je crois. Oui, mais ils attendaient de la pluie. Hein. Ils craignaient de la pluie pour le derby, je me souviens. Allez. Par éminent pour cette 5e épreuve. Prince Eleven n'est pas très joué, d'ailleurs, c'est curieux. Non. Il a essayé de donner dans sa salle, tout dans les salles. Ouais, tout le monde est rentré. Voilà, il s'élance avec un très bon départ à l'extérieur pour le 2 Kain Rising. Vous voyez, Zach Purton qui fait le forcing, alors qu'on se rapproche également avec le 10, hein, Call Me Glorious. Les deux favoris aux deux premières places. Parterre est en troisième position, le 7. Bien placé aussi le 5, Prince Eleven, qui avait un bon numéro dans les stalles. Le 3, Campion et en noir, vient avec à son intérieur également le 6, Solid Impact et Alexis Badel. Et il chemine ainsi vers le dernier tournant.
avec le gris qui est en avant-dernière position, Ryan Moore sur les 4 Tranedo Phantom. Deux par deux, les favoris aux avant-postes, avec le 10 Call Me Glorious qui a l'avantage. À son extérieur, c'est le 2 Akane Rising. En troisième position, le 5 Prince Eleven avec également le 7 par terre. Les autres sont plus loin alors qu'ils sont dans la ligne droite, avec Call Me Glorious qui a toujours l'avantage facilement à son extérieur. Le 2 Akane Rising, ces deux-là qui vont s'expliquer pour la victoire, avec en troisième position pour l'instant le 6 qui est Solid Impact. Mais pas de problème pour les deux favoris, le 2 devant le 10 devant le 2, et c'est le 2 qui va s'imposer très facilement. La deuxième place sera pour le 10, la troisième place sera pour le 6, et la quatrième place conservée par le 7 aux dépens du 4. Voilà, bon, pas de surprise, non. Avec les deux favoris qui se sont emparés les deux premières places, le 2 et le numéro 10. 2, 10, 6, 7, 4, avec effectivement une victoire très courageuse de Kain Rising qui est allé chercher... le favori Call Me Glorious, je dirais courageusement, parce que il a quand même galopé en dehors de lui tout le temps, et finalement il l'a bien battu, lui met deux longueurs dans la vue. Et à troisième place pour Solid Impact, Alexis Badel qui a monté patiemment, oui. Un bon parcours, et il termine en bonne place. Et derrière, par terre, tu vois, je m'étais un peu méfié, j'avais pas bon, ça, c'est pour 2 sur 4, qui bat de justesse mon vieux Tornado Phantom. On notera en retrait, parmi les notes, on notera que Prunes Eleven n'a rigoureusement aucune excuse, puisqu'il a eu le parcours idéal et qu'il s'est arrêté comme une... comme un choix qui aura un problème peut-être aussi. Et on voit que Solid Impact par contre fait pas mal de terrain sur à la fin sur Call Me Glorious, qui avait peut-être lui par contre un parcours difficile mine de rien, parce qu'ils ont les deux, le premier et le deuxième, ils ont été poussés pour aller devant, t'as vu, hein. oui ils s'est bien lancé des Stalking Rising avec ouais. Purton, et c'est vrai qu'ils avaient tous les deux les stalls les plus en dehors. Mais ils étaient quand même nettement au-dessus du lot, le 10 et le 11. Et t'as vu, Kain Rising, pour finir, est passé en vert, il est à 2,60. Hein. Oui. Alors regarde, bah tiens, on le voit, Kain Rising est sorti, mais vraiment comme une balle, alors qu'à son intérieur, en mauve, là, en rose, on voit que Call Me Glorious, lui, il a un petit temps de retard, donc il est poussé pour le garder. Ensuite, on a Prunes Eleven en vert, qui se retrouve au troisième place à la corde, parcours absolument idéal. À l'entrée de la ligne droite, il en marche dessus, je pensais vraiment qu'il allait même se mêler à la lutte, hein. On voit ici, remarque, il est très facile, peut-être un peu trop facile parce que le cheval tire un peu, il a la tête en l'air quand même. Par terre et derrière eux, parcours idéal également, le numéro 7, et puis derrière Solid Impact, qui est donc à la corde en cinquième position, Alexis aussi a le parcours idéal. On voit un cheval en mauve qui vient dehors, qui essaie de venir, c'est My Flying Angel, qui est ouvert par Crampione, qui n'a pas eu son parcours naturellement. On va regarder ce qui se passe derrière, j'ai rien vu hein, sur le direct. Mais... Ça, moi, j'ai vu deux chevaux, non, ça, c'est deux chevaux qui luttaient pour la victoire. On voit à cet instant que Zach Purton a la mesure du concurrent à l'intérieur comme il Glorious. Mais bon, derrière, non, ça ne vient pas. Ronaldo Phantom met un petit peu de temps à sortir et il vient finir, mais il vient mourir sur par terre, en fait. C'est pas grand-chose. My Flying Angel complètement en dehors. Il n'a pas pu refaire grand-chose pour finir. Prunes Eleven, White Wall, 5-6e, il va s'arrêter complètement. Et derrière, ouais, non. Voilà. Bon, 2, 10, 6, 7, les favoris au rendez-vous de ce premier rendez-vous sur The Turf en exclusivité. On va retrouver The Turf également pour la prochaine, et qui se déroule à... Attendez que je ne dis pas de bêtises. Mais l'horaire de la 6. La 6 à 40, c'est-à-dire dans environ 35 minutes. On a les rapports là, qui sont pas les mêmes rapports qu'ici, bien sûr, puisqu'on est en masse séparée sur The Turf. 2,65 gagnants, 1,20 placés, les deux favoris sont au premier et deuxième. 20, c'est du 20% à chaque voyage. Et puis le 6 Solid Impact qui, malgré la présence de deux favoris dans le coup, paye quand même 2,20, ce qui n'est pas très mal payé. Et le trio Horde fait 23. Voilà. Oui, bon. Allez, à tout à l'heure, on essaiera de s'enrichir un peu plus. Dans cette course-là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais ça va aller. Avec une bonne vision, de l'ambition, ça va aller. Faire sa place n'est jamais facile. Mais ça va aller. Avec la bonne équipe, avec le soutien des parieurs, avec un partenaire qui partage la même vision. Ça va aller. The Turf, partenaire d'Infinity Nine Horses. The Turf, une histoire de turfiste.
Allez, on se retrouve pour la sixième départ dans à peu près 18 minutes avec une course référence ici, Gilles. Et on sait qu'on a un favori ici qui est très très net. C'est là, ce Loyal Bobo que nous voyons, nous a regardé comment il gagne. Ceci explique cela. Il battait ce jour-là, que je ne dise pas de bêtises, Aero Invincible qui depuis a gagné et sera favori de l'avant-dernière ou de la dernière, je ne sais plus. Ici, on va trouver un Golden Darcy et Sky Trust, un cheval que tu aimes bien, Gilles. Oui, nous sommes bien, Sky Trust, effectivement, qui va terminer à 5e. Vous voyez, il est en jaune et vert, hein, de mémoire. C'est ça, jaune et vert le long de la corde. Là, il vient entre les chevaux. Il n'est pas très heureux à ce moment-là. Il va réussir à bien finir quand même pour terminer à la 5e place. Effectivement, c'est Oriental Smoke qui s'imposait ce jour-là devant Windcheater et Strafpfeffer. Il a mis du temps, Sky Trust, à se lancer. Tu vois ce qu'il est au centre, là, il a longtemps un peu genre diesel. C'est pas mal quand même, mais beaucoup de temps à s'y mettre. Et pour finir, il en gagne. Pas que pour la 4e place, c'est à King Oberon. Voilà pour course référence. Alors, une troisième course référence, c'est Spicy Gold. Ah ouais, c'est un trial pour Spicy Gold. C'est le numéro 12 qui, ben, pour l'instant, n'a pas montré grand-chose. Il a fait 4 fois Hong Kong, mais... Ouais, voilà. Dernière fois, il est 5e, pour vous donner une référence, c'est 5e de Call Me Glorious. Alors, c'était dans la même... c'était dans une classe 4. C'était Geneva aussi qui terminait 2e. Voilà, bon, ben, Call Me Glorious, on a vu qu'il était capable de monter de catégorie puisqu'il vient de courir une classe en étant 2e. Ici, on est dans une classe 4. Et la distance, par contre, elle est de 1400 mètres, qui était de 12 l'autre jour. Et là, on a vu, mais c'est quoi, t'as vu comment il a gagné? Il a gagné très facile son Bayer Trail. Donc là, on voit les cotes. Ça bouge pas trop, en fait. Bah, si, 15h18, Loyal Bobo, plus on en a, plus on en veut. Hein. Oui, tu veux dire, 560 en 3 minutes. Ça bouge pas, c'est qu'il était déjà favori avant. 5 minutes. Oui, ils ont mis un petit peu, mais comme on a vu la courbe de référence, c'est assez impressionnant quand là, même. Ça frousse un peu toutes les cotes. Il n'y a que le 10 Sky Trust qui résiste au betting. 4,40, 4,30 désormais. Voilà, tous les autres, bien évidemment, remontent. Et c'est logique. Et la pénalisation qu'on lui a infligée pour sa dernière victoire, elle est à la mesure de la facilité avec laquelle il l'a accomplie. 4,5 kg. Alors, un Zach Purton a 16 contre 1. Ta voiture est arrivée. Oui. Un Zach Purton a 16 contre 1 dans une course à Hong Kong, c'est quand même pas... Non, c'est pas assez. Sinon, on a le résultat de la course japonaise. Victor the Winner réussit à terminer 3e face au meilleur sprinter japonais, ce qui est quand même pas mal du tout, je trouve. Les troisièmes à 3 longueurs, et le gagnant, ce qui est extrêmement rare, me semble-t-il, est un poulain qui a été élevé en Irlande, qui s'appelle Matt Cool, un fils de Dark Angel, qu'on connaît bien en Europe, et d'une mère par Indian Ridge, qui a été élevé par Mugler Stud Farm. Et donc, il a gagné le groupe 1 que disputait Victor the Winner, honorable troisième, pour le coup, là-bas, au Japon. Pas toi qui as touché le triple trio, non? Non, c'est pas moi. Malheureusement. Sinon, je serais déjà parti. Alors, on va se concentrer sur la sixième, donc. On avait quelques notes à droite à gauche. Ouais. Loyal Bobo, donc, il a couru 5 fois hein, sur Achatin. Et bon, il a commencé sur 1000 mètres, ses deux premières courses sur 1000 mètres, et ensuite, il a été rallongé sur 12, et son premier essai sur 14, c'est la course référence que vous avez vue, ce qui se passait de commentaire, il a gagné de pratiquement 3 longueurs, et a ralenti par son jockey. C'est la raison pour laquelle il est écrasé d'argent aujourd'hui. Après, bon, c'est sa première victoire pour sa 5e sortie. Oui, bon, il avait été battu plusieurs fois avant, c'est toujours ça qui m'a fait. Voilà. Et la distance devait certainement avoir une... Peut-être bien, oui, t'as raison. Une incidence. Là, vous voyez, il y a du monde de représentation, il n'y a pas encore les chevaux. Les voitures, par contre, sont là, puisque c'est le sponsor du Hong Kong Derby, c'est voilà, depuis quelques années BMW. Et je pense qu'ils vont en donner une à quelqu'un qui est un chanceux quelque part dans cette assistance. Merci. Alors, parmi les chevaux en vue aussi, au niveau des pronostics, on avait donc là, Loyal Bobo, pas de problème là-dessus. Un choix qui est très donné derrière, c'est le numéro 10, Sky Trust, dont on a vu la course de référence. Et voilà, on a mis Zach Purton à grosse cote. Eh oui. Donc, il se contrat. Bah, on peut peut-être parler de ce 6. Ouais. Alors, c'est vrai que ces dernières sorties sont en moyenne, le résultat brut est mauvais. Hein. Peu de jours dans la course référence de Loyal Bobo, il terminait 11e, associé à Alexis Badel, il avait le 8 dans les stalles. La fois d'avant, toujours sur le même tracé, il terminait 7e. La fois d'avant, alors c'était sur 16, c'est vrai qu'il a été raccourci, enfin on a essayé un peu toutes les distances pour l'instant. Il n'a rien fait depuis la saison dernière, et sa 3e place derrière All Is Good, qui était le 10 septembre. C'était donc pas la saison dernière, mais début de saison. Une 3e place derrière Simple Edge.
Bon, alors, est-ce qu'il est dessus, Zach Purton, parce que bah, il n'avait pas d'autres montes à gratter? C'est possible. Attends, je vais regarder ce qu'il avait récemment dans les montes précédentes parmi les partants. Il a monté Loyal Bobo au début de carrière. Il a monté deux fois quatrième. Enfin bon, il avait déjà quitté le navire en cours de route. Et sinon, il avait monté Holy Power aussi trois fois de suite, en prenant une place à chaque fois d'ailleurs. Et là aussi, il avait monté à Pivalet, mais à Châtine, depuis que le cheval était passé à Châtine, il ne l'a plus remonté. Eh oui. La dernière fois, Holy Power, le numéro 4, il a été remarqué, il finit vraiment, il a été gêné plusieurs fois, contrarié plusieurs fois dans la ligne droite, et il termine quand même, il termine dixième, donc c'est pas génial, mais c'était vraiment, vraiment un parcours épouvantable, et je pense qu'il peut mieux faire que ça, ce numéro 4, Holy Power. Alors ici, on a le 2 Ariane qui va bénéficier d'une décharge importante hein, de 5 kilos, c'est le pensionnaire de David Ice. David Ice qui vient de remporter la précédente course. Et Ariel fait partie des chevaux qui sont joués, hein, derrière Loyal Bobo et Sky Trust, puisqu'il est à 12 contre 1 actuellement. Et Ariel est un concurrent quand même très régulier, qui ne parvient pas à gagner, mais c'est trois sorties de l'année, c'est deuxième, quatrième. Alors c'est dans la même catégorie, les classes 4, et il a couru 16, il a couru 14 deux fois, et il reste sur une quatrième place derrière Patch of Teta, que nous verrons, je crois, tout à l'heure, dans la dernière. Oui, qui sera parmi les favoris, parce qu'il a fait grosse impression qu'il a gagné Patch of Teta. Disons que son apprenti le connaît, puisqu'il vient de le monter. Ellis Wong a eu quelques bons résultats ces temps-ci, pas autant que Angus Chung, qui est un autre apprenti, qui lui, d'ailleurs, est à pied aujourd'hui, ne courra pas. Le problème, c'est qu'il a le 8. Alors, Holy Power, c'était une rentrée l'autre jour, hein. C'était une rentrée courue depuis le 10 juin. Depuis la saison, en fait, c'est sa rentrée pour la saison. Et il n'est pas très heureux ce jour-là, je pense qu'il va courir en progrès. Il est entraîné par Jamie Richards, qui est très à la corde par contre, il a vraiment une corde pourrie. Alors, la speed map nous indique que Loyal Bobo, logiquement, devrait aller se porter au commandement. Avec Ariel. Et puis derrière, nous avons Ariel, Spicy Gold et aussi le 9 Double Win. Spicy Gold, qui avec son numéro 12 de la corde, numéro 12 torchon, il risque de se retrouver lui aussi dans une situation un peu délicate. D'ailleurs, il va porter un bonnet et un attachement pour la première fois. Je regarde ce qu'il y a de nouveau aussi. Le numéro 10, Sky Trust, portera des œillères pour la première fois. Oui. Et quoi d'autre? Le 12, Spicy Gold. Oui, ça je l'ai dit. Et puis c'est tout. Et les œillères pour la deuxième fois, pour le 6, Circuit Mighty. Ouais. Voilà. On lui remet les œillères, absolument. Ouais. Alors, mais il a couru 29 fois. D'ailleurs, ce Circuit Mighty. Ouais. Il est pas mal du tout. Grand cheval, hein, apparemment. Oui. Il y a Jenny qui est en train de le suivre. On l'a vu juste avant le 5 Aïkian avec Alexis Badel, c'est l'entraînement de Pierre Hung. C'est aussi le 4 dans les stalles de départ pour ce concurrent qui a été baissé de 2 livres. Alors c'est curieux parce que dans la speed map, Aïkian qui a le 4 à la corde, il va être au milieu. Il le met au milieu, dehors, il le met. C'est curieux parce que je ne vois pas comment il pourra se retrouver. Dire qu'il va. Bah, là, Golden Darcy peut prendre la tête au début. Il a déjà mené sur 1400 mètres. Il a déjà pris la tête en démarrant avec le numéro 10. Là, il a le numéro 1, Jamie McDonald, qui aussi a gagné une grande course. Je ne sais plus laquelle c'est, mais il a gagné. Bah, je me demande s'il n'a pas gagné avec Via Sistina. Possible. Qui battait Blas du Carrousel pour leur début en Australie. Hier. C'est récent, c'est hier, c'est ça. C'était hier, ouais. Et donc, Jamie McDonald, comme toujours, est en forme. Et il revient donc pour participer à cette course avec le numéro 3, Golden Darcy. Un cheval qui n'est pas enthousiasmant comme ça sur le papier, mais qui a le numéro 1 à la corde et qui peut bien se placer tout de suite. La dernière fois qu'il était dans une position pareille, c'était à Pivalet, donc on ne peut pas vraiment comparer. Et là, il revient sur 1400 mètres. Après 4 tentatives sans succès sur plus court. Là, le 9, en plein écran, c'est Double Win, monté par Jerry Chow avec une petite décharge pour Benno Young. Il a le 6 à la corde, donc c'est plutôt pas mal. Le cheval a peu couru, il a couru 4 fois. Et pour l'instant, son meilleur résultat est sur 1200 mètres à Châtine. Il terminait deuxième avec le 10 à la corde de Star Club. Pas une très grosse marge. Depuis, il a tenté sa chance sur 1600 mètres à Happy Valley. Il a pris la tête, il a molli pour finir. Enfin, il n'est pas molli, il a plafonné. Et la dernière fois, en revanche, c'était le 12 février. Là, il avait le 6 à la corde, comme aujourd'hui, sur 1400 mètres, comme aujourd'hui, avec une valeur de 2 livres supérieure, parce qu'il est en 53 de valeur, il est passé en 51 de valeur, de hors livre, hein, je parle. Il a terminé, il a galopé deuxième toute la route. Après, pour finir, il a quand même perdu 3 longueurs sur le cheval de tête. C'est Voyage Samoura qui gagnait, une classe 4, ouais.
une grosse marge de manœuvre, je ne sais pas. Alors, on a ici le 10, Skycraft, vous voyez, les ailleurs pour la première fois, associé à Black Sheen. Et là, Spicy Gold, qui a l'air en très bel état, même non, il est un petit peu, il transpire un peu. Je ne sais pas quelle température il fait là-bas, il a l'air de faire assez bon. C'est Luke Fevreur, hein, qui va être son partenaire, mm-hmm. le 11 dans les stalles de départ, Spicy Gold, hein, qui devrait vite aller aux avant-postes, et attache donc pour la première fois, comme l'a signalé Manu. Alors, moi, je vais vous donner... un peu tendu le cheval, un peu tendu quand même. Ouais. Pour les cotes chez The Turf. Alors, attendez, je rafraîchis mes cotes, et voilà. Donc, nous avons position de favori pour l'As Loyal Bobo, qui est à 4-10. Il y a 4-40 hein, pour le 2 Ariel, qui est donc très joué. Vous avez 8 contre 1 pour le 10 Sky Trust, et puis les autres sont beaucoup moins joués. Le 12 Spicy Gold est à 10-40, et puis ensuite il faut aller à Holy Power le 4 avec Andrea Zeni à 10-50. Voilà, on escompte des progrès de ce 4 Holy Power. Maintenant le 13 dans les stades de départ, ce n'est pas sinécure. Non, je regarde, puisque vous savez qu'il y a des œufs chauds, il y a des œufs couillons. Le œuf chaud de Loyal Bobo, donc la deuxième place, est pour l'instant coté à 4,40. C'est la cote du 2 Ariel, 4,40 en œufs chauds. 5,90 pour Spicy Gold et 7,10 pour le 10 Sky Trust. Pour les œufs couillons, c'est-à-dire trouver le quatrième et mettez une cote, avoir une cote pour le quatrième. Golden Darcy, le 3 avec James McDonald, est à 14,40. Voilà, vous avez 8 contre 1 pour Sky Trust, le 10 avec Black Sheen. Il y a vraiment une grosse différence avec les cotes qu'on observe à Hong Kong tout de suite. Oui, là, les alors après, il n'y a pas non plus beaucoup d'enjeux. Non, c'est sûr. Oui, on n'a pas touché lourd quand même tout à l'heure. On a touché un 30, je crois, avec le 2 sur 4. Oh la vache, c'est, oui, c'est pas génial. Pas... Oui, non, c'est pas, ça ne vaut pas le coup, non. Non, c'est... Ah, c'est-à-dire qu'en plus, c'est vraiment pas... difficile. Oui, mais enfin, il y a quand même par terre à l'arrivée. Le pauvre qui a trouvé par terre et... Ouais, c'est sûr, t'as par terre, 1,30, c'est pas sympa. Celui qui a mis un solid impact et par terre. Ouais, il est pas, voilà. C'est le problème du 2 sur 4, de toute façon. Et c'est le problème du 2 sur 4. Enfin, si je l'avais, je me l'ai placé, il n'aurait pas touché. Ici, le 5. Alors là, Soyad Bobo est à 1,60. Comme tu disais, Gilles, il est écrasé d'argent. Il y avait beaucoup d'argent sur Ariel. Il était à 10, compte tenu du fait que ce cheval-là est déjà joué. Il est remonté à 14. En revanche, le numéro 10, Sky Trust, est passé de 5,40 à 5 euros. Je regarde s'il y a eu des mouvements dans le bon sens. 5-10 hein, pour Sky Trust. Bah, ça graisse dans sa marge alors. Non, c'est les deux seuls chevaux qui sont joués. Hein. Vraiment, tout le reste, ça débarque. Ah, que... bah là, c'est très rare hein, de voir cela. Hein. Oui, c'est vraiment rare. Parce et que là. Un handicap 1,60, c'est aussi extrêmement rare. Et autrement, Colmy Glorious, qu'on a vu tout à l'heure, il méritait un petit peu d'être favori comme ça parce qu'il avait couru une seule fois, il avait gagné, donc les limites inconnues. Alors que celui-là, il a gagné au bout de sa cinquième course, effectivement, sur son parcours à nouveau. Mais c'est pas. Enfin. Voilà. 1,60, ça vaut pas le coup. Là, c'est le numéro 11. Ça, c'est le 11 Spanning Collector qui est à 15 contre 1 d'abord. Bon, 15 contre 1, c'est. Il est quand même assez joué. Hein. C'est le cinquième favori de cette épreuve. Lui qui compte une deuxième place derrière Voyage Samouraï. Et Voyage Samouraï, c'est celui qui a terminé deuxième de Patch of Theta l'autre jour en devançant Ariel qui était quatrième. Vous voyez, les lignes sont. Les lignes sont bonnes, ouais. Il a le 7 à la corde avec Caris. Il devrait se retrouver derrière les chevaux de tête. Et d'après la speed map. Il devrait avoir le parcours de rêve, le cheval. Oui, alors ce n'est plus, tu l'as dit, ce n'est plus Luke Ferraris hein, qui l'a monté lors de ses dernières tentatives. Alors, est-ce que c'est lui qui a été débarqué de Smiling Collector ou est-ce lui qui a choisi le 12 Spicy Gold ça, parce qu'il a monté les deux la dernière fois, en fait. Je pense qu'on peut lui faire confiance, il a choisi Spicy Gold. Ah, sur le papier, Spicy Gold, c'est un petit peu supérieur à Smiling Collector, c'est vrai. Le 8 ici, avec Harry Bentley, 14 ans et salle de départ, lui qui a été baissé de 2 livres sur l'échelle des valeurs. Et qui a surtout couru, cette saison en tout cas, il a surtout couru à Happy Valley. Mais à Châtillon, il a gagné une course, il a couru 4 fois, il a gagné une fois, et c'était sur ce parcours. Alors Marc, lui, nous indique ses préférences, l'As, le 10, le 12 et le 2. 10 Sky Trust, 12 c'est normal, Spicy Gold et le 2 Ariel, oui, sur une bonne course. Il a mis les 4 niches. Oui. D'un autre côté, bah, Ariel est dans un état magnifique, t'as vu? Oui. Hugh Bowman ici, Loyal Bobo, le grand favori. Alors, est-ce que ça bouge du côté de Hong Kong, les cotes, hein, toujours à 60. Alors, une petite touche sur le jumelé 3-11. Golden Darcy et Smiling Collector, oui, enfin, il en faut peu pour bouger puisque c'est des chevaux qui sont quand même relativement abandonnés. Alors, les cotes chez Jeter, c'est 1,90 pour Loyal Bobo, donc c'est un peu plus généreux que là-bas, hein, parce que là-bas, c'est vraiment beaucoup d'argent. Alors, Paul, lui, c'est son bon jeu de la journée, hein.
Ouais. Et Yann Bobo. Il le voit comme un soleil, ouais. Il est chaud, le Pollux. Ariel, le numéro 2, est à 7,10€ maintenant chez The Turf. Il est à 14 balles à Hong Kong, donc voilà. Double win aussi. Holy Power est à 17,80€ chez The Turf. Il est à 108. Attends. Et Double Win, le 9. Il est à 108 là-bas. Non, je rêve. Personne nous écoute. Je comprends pas. On a dit que c'était une petite chance quand même, non? Holy Power. Holy Power, c'est surtout le 13 dans les stalles de départ. Ouais, et c'est une deuxième course. Il n'avait pas couru pendant 8 mois. Il a dû avoir Attends, je vais te dire ce qu'il a eu. Je vais te dire ce qu'il a eu comme problème, parce qu'on va regarder son dossier vétérinaire. Oui, parce que là-bas, on a des dossiers vétérinaires, on a des gens qui travaillent. On va bientôt en France, je pense. Ah oui? Ah, oui, c'est une bonne idée, ça. Il faudrait d'abord qu'on ait eux, l'avantage, c'est que les vétérinaires sont sur place. Il a eu une infection pulmonaire le 14 septembre dernier. Il a saigné. Et il était boiteux le 6 octobre dernier. Totalement. Donc, si tu veux, il a eu pas mal de petits problèmes. Voilà. Super. Un peu d'argent qui tombe sur les couplets à partir du 14 podium. Alors là, le podium, il n'a jamais. Il a fait une valeur un jour, je me souviens, mais je me souviens plus laquelle. Il était dans les 5 premiers de toute sa vie, donc. Ça remonte. Non, mais il avait fait un truc une fois. Oui. Je ne sais plus, j'avais vu quelque chose avec une lui. Fois. Je m'étais dit, tiens, il faudra que je m'en rappelle. Vous voyez, je ne me rappelle pas finalement. Et tu te rappelles qu'il avait fait quelque chose. Oui, j'ai vu qu'il avait fait quelque chose. Mais enfin, c'est double win, c'est un peu d'argent. Alors voyons voir. C'est la sixième. Donc on a toujours un trio et on n'a pas de Z4 hein, sur The Turf. Alors sur The Turf, je vais vous dire les jeux que vous pouvez faire. On a 2 sur 4. 2 sur 4. Mais on est un peu refroidi avec le 2 sur 4. Oui. Donc on peut faire des couplets par exemple. Le 2 sur 4 de paire de famille, c'est la CL10. Dans le coup. L'As, ouais. H10. Il y a Bobo avec Sky et Trust. Non. Ouais. Moi je vais faire un petit couplet, tu vois, couplet trio, As 2. Les amis vont te suivre. Alors, As 2. Le 10, et puis je vais rajouter ma petite note Holy Power. Le 4. As 2, 4, 10, voilà. 1, 2, 4, 10 pour Manu. On va pas faire ça très cher parce que quand même, on n'a plus de moyens. C'est fini là. Ouais. Et toi, tu fais quoi du coup? Non, moi, je vais mettre 3 chevaux, je vais faire As 10 et je vais rajouter le 6 Circuit Macti en disant notre ami Zach Purton à cette cote-là. C'est pas tous les jours. Les œillères pour la deuxième fois. Il a le 5 dans les stades de départ. Hein, bon. Why not? Ah, je parle. Pas non plus. Ça baisse hein, pour le 3. Hein. Golden Darcy. Il y a du 3, il y a du 14, il y a du 9. Du coup, je t'ai écouté. J'ai fait un trio As 2, 4, 6, 10, 11. Ah, ben dites donc. Alors. J'ai rajouté Smiling Collector parce que je trouve que Caris. Risque d'avoir une bonne aspirale. Là, tiens, regarde, au moment où j'en parle. Oui, bon, même si le cheval est un petit peu. Alors, tendu. Denis, elle confirme que là, c'est en très bel état. Le 14 aussi, podium. Podium, justement, oui. 67 contre 1, podium. Hein. Le podium, 67 contre 1, qui pourrait descendre de catégorie incessamment. Et je ne sais pas pourquoi il enverrait ce jour-là. On pourrait peut-être monter dessus. Alors, le 3, le 14, le 9, Golden Darcy, concentré, Hugh Bowman. Lui qui avait été blessé en décembre et qui n'avait pu participer à la grande réunion hein, de Hong Kong. Oui, en fait, podium, je regarde là, c'est son avant-dernière course qui n'est pas mauvaise. Il était repris derrière, il avait le 14 de la corde. Sur ce parcours, sur 1400 mètres, il est remis derrière complètement, il vient finir très très fort. Prise sur le 9, gold, double win. Et après, la dernière fois, il a couru sur 1200 mètres et là, il n'a pas pu revenir. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est joué en fait. Prise sur le 9. Le 9, il est à 5,40 chez The Turf. Le 9, il est à 31,30. Ouais, il vient de remonter. Je réfléchis. Vous laissez, ça tombe sur le 3 aussi. 9,6. Allez, là, vous voyez la lumière rouge. Mais c'est marrant parce que la prise est vachement précoce. En général, elles sont plus tard, les bonnes prises là-bas. Oui. Elles sont même à la limite quasiment. Allez, le 9, ça continue. On a du 6 aussi. On a du 3. À la place, le 3, c'est fou. 14. Et oui, parce qu'ils ne doivent pas vouloir jouer contre... Ça va rentrer vite, remarque, t'as vu? Ouais. Bon, Double Win qui est très très joué, le numéro 9.
Il est monté par Jerry Chao avec une petite décharge, comme je l'avais dit, pour Ben Oyong. Et comme c'est indiqué, 1400 mètres, le départ aux 1400 mètres. Alors, il y a un couplet qui est passé en brun, c'est 9-3, c'est-à-dire Golden Darcy avec Double Win qui passait en brun. Ce sont les deux prises, hein, 3 et 9. Allez, le 3 dans sa salle de départ, Golden Darcy. Il va rester le 14, Podium. Ouais. Il va rester le 13 également. Là, Soyez Bobo, qui est au milieu, là, violet et blanc. Allez, dépêchez-vous. Faites vos jeux, départ imminent. Joyful Friendship en rose, stock jaune. Dans les stalles. Voilà, ça va partir. 1400 mètres. Et voilà, il s'élance avec un excellent départ à l'extérieur pour le 8, top, top, petit. Mais également pour le favori, là, ce Loyal Bobo hein, qui va se porter aux avant-postes avec le 2 qui fait le forcing, c'est Ariel. Et Sky Trust avec Black Sheen qui vient également aux avant-postes. Le 2, Ariel qui a l'avantage. Avec à l'extérieur, Loyal Bobo, on fait le forcing hein, avec Circuit Mighty, Zach Purton maintenant qui est en troisième position. Et tranquillement, Loyal Bobo vient s'installer au commandement avec à son intérieur le 2 Ariel en troisième position, le 6 Circuit Mighty. Le 10 Sky Trust a pour l'instant un bon parcours et vient devant le 5 Icon avec notre ami Alexis Badel. Le parcours difficile pour le 9 Double Win qui vient en troisième épaisseur. À son intérieur se trouve notamment le 3 Golden Darcy, les deux prises et Podium est là au centre du peloton en noir. Les concurrents qui vont sortir du tournant avec toujours en tête Ariel. À son extérieur, l'As Loyal Bobo. La troisième position pour l'instant pour Circuit Mighty avec Side Trust qui n'a pas encore l'ouverture mais qui va être lancé maintenant. Golden Darcy vient ensuite. Loyal Bobo pour l'instant facilement qui prend la mesure d'Ariel. La deuxième place pour Sky Trust qui va essayer de la ravir Ariel. L'As Loyal Bobo qui a toujours l'avantage. Oh, il y a une gêne. Circuit Mighty a été très gêné le 6. L'As va s'imposer sans doute facilement. La deuxième place, sans doute conservée par le 2 Ariel, à voir avec le 3 Golden Darcy, la quatrième place sera donc pour le 10 Sky Trust. 1, 2, 3, 10 et 7. Alors, ah non, peut-être 11 Smiling Collector qui l'a choisi. Je pense que le 2 a conservé. Alors, oui, non, je pense qu'il l'a gardé. Il l'a gardé, ouais, non. Là, c'est sûr. La deuxième place. Ouais, c'est fait. C'est pour le 2. Ouais. Le 3 est 3e, le 10 est 4e et le 11 est 5e. Alors, vous allez voir. J'ai cru à la chute hein, de Zach Purton à un moment donné. Attends. On va durer les courses 1, 2, 3, 10 et 11. Bon, de toutes les prises, à part Golden Darcy. Ben, Golden Darcy était si, il était joué, mais il n'a pas eu prise sur lui en individuel. Il y a le Bobo hein, qui s'impose. C'est Manning Collector qui revient du dernier rang carrément. Hein. Enfin, quasiment. Il était très loin, il n'a pas débarré aussi. Sur de son fait, Hugh Bowman a installé tranquillement. Quand il a vu que ça résistait en dedans avec Ariel, il n'a pas cherché à se bagarrer avec l'apprenti. On va revoir ce qui s'est passé. Et voyez, il est bien parti, Loyal Bobo, mais Ariel hein, fait le forcing. Et puis, ceux qui avaient des bons numéros dans les stalles, le 10 Sky Trust, voyez, en vert et jaune, et le 3 Golden Darcy vont pouvoir venir tranquillement le long de la corde. Et qui c'est qui pousse comme ça? C'est Circuit Mighty. C'est Circuit Mighty avec Zach Purton. De première, le cheval. Hein. Bah, et il est surtout, alors je crois qu'il a explosé parce qu'il était mort, mais il a quand même bien explosé. Hein, là, il va y avoir une enquête, ça c'est coup sûr. Vous voyez, déjà, ils sont deux premières places. Là, c'est le 2. Et puis, voilà, les chevaux qui sont en enfilade dans le rail derrière le 10 et le 3. Ouais, Sky Trust qui a le parcours idéal, mais il est un petit peu décevant parce que là, avec ce parcours-là, il doit être deuxième normalement. Ouais. Et il est un peu resté là, avec ses œillères, ça n'a pas. J'ai pas l'impression que ça a fait grand-chose. Je regarde Smiling Collector, il est avant-dernier la corde, tu vois, jaune et rouge. Bleu. D'ailleurs, il y a le... Alors, on va regarder ce qui s'est passé avec les œillères bleues de Circuit Mighty. Black Sheen va sortir. Et il y a Alexis... Et vous voyez Golden Darcy qui vient à cet instant. Oh, c'est Black Sheen qui a fait... sauter. C'est Black Sheen hein, qui a sorti, enfin qui a, s'est décalé et qui a été, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il est sorti. Oui, c'est-à-dire que le cheval n'a pas très mal réagi, quoi. Il n'a pas pu se rétablir. Et la photo, 1, 2, 3, 10. Ah bah, c'est le 3 qui nous met dedans, sinon on avait à peu près tout, je veux dire. Mais bon, c'est la vie. Hein. Le 3 faisait partie des grosses prises, on disait 3 et 9 pour les prises. Alors, mes amis, il y a ici Hugh Bowman qui s'impose à la cote de 1,55. Holy Power, il était passé en marron, il y avait 53, il était passé de 100 à 53. Donc... Et Manu, nous allons avoir
bien évidemment, on va reprendre l'antenne assez vite, hein, parce que la plus belle, c'est tout à l'heure la 7e. Oui, c'est le Hong Kong Derby sur 2000 mètres. Départ devant les tribunes. Les places dans les stades de départ ont certainement leur importance. Et on le rappelle, enfin, si vous nous avez... On a des biscuits. Donc, on va reprendre l'antenne assez vite. Dès que les chevaux vont... À peine vont-ils arriver au rond de présentation, on va essayer de vous détailler cette belle course réservée aux 4 ans. À tout de suite. À tout de suite. Dans cette course-là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais ça va aller. Avec une bonne vision, de l'ambition, ça va aller. Faire sa place n'est jamais facile. Mais ça, ça va aller. Avec la bonne équipe, avec le soutien des parieurs, avec un partenaire qui partage la même vision. Ça va aller. The Turf, partenaire d'Infinity Nine Horses. The Turf, une histoire de turfiste.
Allez, c'est le grand moment maintenant, puisque la septième course du jour, la R2C7, c'est le Hong Kong Derby, le BMW Hong Kong Derby, parce que eux, ils ont un joli, un vrai bon sponsor, hein, n'est-ce pas, monsieur Gilles? Ah oui, oui, oui. On va demander à Alexis Badel, qui a eu sa belle petite voiture l'année dernière, non? Ah oui? Ah, c'est lui qui l'a gagné? Ah oui, c'est comme ça, c'est vrai, avec Bubble. Ah, c'est le jockey qui gagne la voiture. Bah, dis donc, merci du cadeau. Et, là, on a Johnny Chapman qui est aux représentations avec Tom Wood. Il discute évidemment des chances respectives des différents favoris de la course avec un grand favori, comme on l'a dit. C'est le numéro 2, Helios Express. Et pourtant, il a gagné les deux courses préparatoires. Et pourtant, Gilles, il y a beaucoup de points d'interrogation avec lui. Oui, il y a des points d'interrogation, notamment, hein, notamment, sur la place dans les salles de départ, puisqu'il a le 13 sur 14. C'est quand même pas l'idéal, mais que dire lors de là, ce Galaxy Patch qui a lui le 14 sur 14 avec Black Sheen pour l'occasion Galaxy Patch, on en reparlera tout à l'heure, qui sera pour la première fois présenté sur 2000 mètres. Mais ce 2, Helios Express, a pour lui d'avoir gagné les deux premiers volets de la triple couronne en quelque sorte des quatre ans. Puisqu'il a gagné le Hong Kong Classic Mile sur 1600 mètres. Dernièrement, ensemble, nous avons commenté le Hong Kong Classic Cup et il s'était imposé de fort peu devant Chen Chang Glory. Alors ce jour-là, il avait le 2 dans les salles de départ. Chen Chang Glory avait le 13 dans les salles de départ. Maintenant, c'était sur 1800 mètres avec une position dans les stalles qui avait rien à voir puisque les 1800 mètres, c'est départ complètement à gauche dans la ligne d'en face. On voit d'ailleurs pas le départ des 1800 mètres. Alors que les 2000 mètres, le départ a lieu devant les tribunes et le tournant arrive très vite. Mais là-dessus, tu as quelques références. Ouais. Tu peux peut-être nous en parler sur les places à la corde importantes pour ce 2000 mètres, soit pour le derby, soit pour les courses en général sur 2000 mètres. En fait, ce qu'on a, c'est qu'il y a une émission qui s'appelle The Winning Factor, qui est faite par Alan Elken, qu'on connaît bien, qui est un pronostiqueur, qui est un gros expert là-bas aux courses, et qui a beaucoup de statistiques. Il a accès à des statistiques assez complètes. Et il a réuni tous les résultats des courses sur 2000 mètres, sur ce parcours, depuis 2004, donc à Châtine. Et ça donne des résultats assez confondants, parce que comme tu le disais, effectivement, intuitivement, on se dit, compte tenu du fait que là, sur 2000 mètres, les chevaux démarrent à 150 mètres du virage, les places à la corde à l'extérieur vont être très, très pénalisées. Alors, c'est vrai, la deuxième moitié, si tu veux, des numéros de corde, c'est-à-dire grosso modo des numéros 7 à 14, est globalement plus pénalisée, a des moins bons résultats que ceux de la corde, mais il y a des trous dans la raquette. Par exemple, on a une très bonne réussite du numéro 14 dans les stalles, une bonne réussite du 12 dans les stalles. Inversement, il y a un très mauvais résultat pour le 2 dans les stalles. Donc, c'est pas tellement facile à analyser. Il y a 354 courses qui sont disputées depuis 2004 sur 2000 mètres à Châtine. Comme vous voyez, c'est pas, c'est-à-dire qu'il y a 88, il y a 735 courses par an. Donc, ça fait quand même 20 fois 735, ça fait 15 000 quasiment. On va peut-être attacher moins d'importance qu'il n'y paraîtrait comme ça avant le coup. Sauf que globalement, les sept premiers numéros sont plutôt avantagés, si tu veux. Dans le derby, il y a que 24 éditions, donc on peut pas vraiment dire que la statistique vaille le coup. En l'occurrence, le gagnant de l'année dernière, comme tu le disais, Voyage Bubble avait le 14 à la corde. Ça prouve qu'on peut y arriver. Mais la différence énorme qu'il y a entre Voyage Bubble et Helios Express, c'est que Voyage Bubble, pour moi, a prouvé depuis, c'est un vrai cheval de tenue, entre guillemets. C'est-à-dire que les 2000, il les a dans les jambes sans aucune espèce de problème. Même s'il a été raccourci sur 16 récemment. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Il va tout le temps, etc. C'est un cheval qui dit jamais non. Et Helios Express, c'est un cheval qui est un peu tendu toujours dans le parcours, qui est pas très facile à manier. C'était la grosse crainte de Hugh Bowman, son jockey, qui a déclaré qu'il allait tout faire pour le tenir dans les autres. Ah, alors ici, et voilà le cheval qui lui a donné du fil à retordre la dernière fois, c'est Chan Cheng Glory, le numéro 6 aujourd'hui, qui est monté par William Buick. Et oui, et Chan Cheng Glory avait auparavant remporté quatre consécutifs, ça c'était en début de saison, à Châtine, c'était sur 1600 mètres. Ensuite, il a couru un handicap sur 1600 mètres où il a terminé simplement quatrième. Dans la première des trois épreuves réservées, enfin, la pilière, il a terminé sur le Hong Kong Classic Mile simplement sixième d'Helios Express. Et l'autre jour, avec Kieran de Mello, muni d'œillères de nouveau, il a terminé deuxième et battu de peu. Et ce jour-là, il avait le 13 dans les salles de départ. Bon, il fait partie des bonnes possibilités, ce Chan Cheng Glory. D'autant qu'il a hérité du 9 dans les salles de départ. Et alors là, on a un autre gros point d'interrogation au départ de ce derby, c'est le numéro 1, Galaxy Patch.
qui sera monté non pas par Caris Titan comme les dernières fois, puisque Caris Titan a choisi de rester fidèle au numéro 14 de Star Mac, mais par Blake Sheen, donc en grande forme, très très grand jockey. Alors lui, il y a deux gros points d'interrogation. Le premier, c'est la distance. Il n'a jamais couru au-delà de 1400 mètres. Il vient de débuter sur 1400 mètres une semaine après avoir couru sur 1000 pour lui donner un peu plus de vitesse tactique. Ça a failli fonctionner. Le cheval court remarquablement. Il est deuxième en finissant bien, à telle enseigne que son entourage a décidé de le supplémenter pour 36 000 euros à peu près dans cette course-là, ce qui est quand même assez culotté. Et là-dessus, paf, il tire le 14, c'est-à-dire numéro complètement en dehors. On a vu que le 14 pouvait gagner, mais encore une fois, la différence entre Voyage Bubble et Galaxy Patch, c'est Galaxy Patch, il n'est pas du tout certain qu'il tienne même au-delà de 1600 mètres, Gilles. Oui, il n'a jamais fait plus que 14, mais l'autre jour, il a été dans la Queen Silver Jubilee Cup, 1400 mètres un groupe 1, il a été battu par qui ? Par California Spangle qui se retrouvait ce jour-là, mais il devançait les autres bons chevaux comme Red Lion, Beauty Eternal, Lucky Swenis qui était simplement 5e, Elsie Happy, enfin des vrais chevaux. Et ce jour-là, la course n'avait pas été très 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 sélective, parce que California Spangle avait un petit peu fait du yo-yo en tête, et résultat des courses, le cheval, lui, était revenu finir sur lui. Donc on sait qu'il a une vitesse terrible, ce cheval-là. Normalement, Galaxy Patch, on pensait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a le plus gros rating de la course, hein. Il a un rating de 1 livre supérieur à celui d'Helios Express. Et on va rappeler que les chevaux sont classés par ordre de rating, donc classe le rating le plus élevé, ainsi de suite, le 2, le 3. Comme handicap en fait, sauf qu'ils ont tous le même poids. Exactement. Okay. Et ici, vous avez le 4, alors Chilchibi, alors lui, c'est un autre cas, oui. Puisque Chilchibi, il a commencé sa carrière à Hong Kong, c'était à Happy Valley, il a commencé par une deuxième place, et ensuite, il a enchaîné 4 succès, et sa première sur l'hippodrome de Châtin dernièrement, c'était dans le Hong Kong Classic Cup, il terminait simplement 7e d'Helios Express, il avait le 11 dans les stalles de départ, est-ce qu'il est capable de faire mieux? Sans doute, hein, Chilchibi, qui est entraîné par Danny Shum, tout comme le 3 Hélène Philly. Et on n'a pas vu grand-chose la dernière fois de Chilchibi. Ouais. Là, c'est le 5 Ensoon, ça c'est un cheval un peu particulier. Lui, on sait qu'il tient 2000 mètres sans aucune espèce de problème, car il a carrément débuté et gagné sur cette distance. Il a couru 6 fois aujourd'hui à Hong Kong, il avait déjà couru un petit peu précédemment. Il a le 12 à la corde, problème, mais lui, il tient. Et Ryan Moore qui est à moitié souriant, dites donc. Oui, belle journée. Mais belle journée, oui, il va pleuvoir. Et le 5 en dessous, donc, est à 6-20 là-bas. La seule fois où il n'a pas eu un bon résultat, c'est le jour de la grande journée internationale. Il est terminé 8e, je crois. 8e, alors qu'il était favori décembre. À 2,70. Il avait été un petit peu dans la gelée de coin, j'ai l'impression. Il avait le dos à la corde, il n'avait pas pu s'en sortir. Oui. Il était monté par Brenton Avdoula. Et du coup, là, on avait le numéro 7. Massif Sovereign, encore un point d'interrogation. Le favori. Le favori. Il est favori. Il est favori maintenant. Il passe à 3,40, ce qui est incroyable quand même. Le cheval a débuté gagné. Monté Zach Burton, qui lui est resté fidèle. Pour coup, je pense qu'il n'avait pas vraiment le choix, on va dire. Et le cheval a débuté en tournant autour du peloton. Ah, il s'est baladé. C'était pas la même limonade, c'était une classe 3. Alors, il avait l'as dans les stalles sur ce même tracé. Oui. Et il devançait Simple Edge de 3 longueurs. Il devançait Billionaire's Secret, Lilac, Aitin Karat et Flamingo Trillion. Voilà, bah, le tout. Hein. C'est un fils de Nona Never, qui est un étalon américain qui avait gagné il y a 2 ans à Ascot et qui est un étalon très recherché, mais qui est en Irlande maintenant. Et sa mère, Sweet Charity, est une jument française par My Boy Charlie, qui a gagné de Morny. Mais ici, c'est le 8 Beauty Crescent, c'est la montre de David Baddell qui va essayer de conserver son titre. Alors lui, il reste sur une 5e place, c'était derrière Helios Express à Chen Chang Glory, dans le deuxième volet du triptyque. Il avait le 14 à la corde, c'était Alexis déjà. Il a déjà, enfin les deux courses où il a couru, il a terminé 2 fois 5e hein, sur 16 et sur 18. Abattu à chaque fois par Helios Express, par Starmac. Starmac, on y reviendra. Speed Dragon. Alors, la dernière fois, c'était Michael Barzalona. Il n'a pas fait le déplacement. Michael, on pense que s'il n'a pas fait le déplacement, c'est qu'il a dû estimer que le cheval n'était pas en mesure de jouer un premier rôle. Alors, Joe, il a fait beaucoup d'extérieur, je trouve. Ici, alors, c'est un cas. La dernière fois, tu veux dire qu'il a fait beaucoup d'extérieur la dernière fois, tu dis. Oui. Le 10 Simbel et Bebel, c'est le seul concurrent qui soit entier. Et c'est le frère, Manu, d'un certain City of Troy, qui est le meilleur 2 ans l'an passé en Europe. Qui favorise les classiques de cette saison. Favoris, il n'était même pas à égalité dans les Guinées, dans les 2000 Guinées. Donc c'est un cas. C'est un cheval magnifique d'ailleurs. C'est un cheval qui avait gagné lors du Royal Meeting d'Ascot. Il s'appelait à l'époque Bertinelli. Et il avait gagné, il avait terminé 3e d'un gros handicap dans une course remportée par Desert Hero qui appartenait
à la Queen. Enfin, alors, gros handicap à Royal Ascot, c'est pas les handicaps quintés de Paris, hein. c'est du lourd. C'est du lourd. Il y a des chevaux de mais il doit faire ses preuves pour l'instant à Hong Kong. Il a couru deux fois sur 16 et 18. Alors, quand vous faites l'arrivée de gros handicap à Ascot sur 2400 mètres, on peut considérer que 1600 mètres et 1800 mètres, c'est pas du tout la distance. Il sera déjà un peu mieux sur sa distance ici pour ce fils de Justify et de Together Forever. Le 12 à l'image, Manu, c'est Elliptical. Elliptical qui sera monté par Brenton Abdullah qui a le 2 à la corde pour Caspar Phone. C'est les mêmes couleurs que Straight Aaron qui est parti avec California Spangle à Dubaï. D'ailleurs, ils vont courir la semaine prochaine, normalement, des courses de Dubaï. On va passer à 145 contre 1, il y a mieux dans la course. Il y a 145 contre 1, il y a moins, j'avoue qu'il n'a rien montré pour l'instant. Il était un peu chuchoté au début de saison et ça n'a rien donné. Le 13, Simple Hedge qui va venir derrière est à 60 euros. Bah, il vient d'être ridiculisé par le favori, Massive Sovereign. Il lui rendait 3 livres ce jour-là. Il est ici. C'est Antoine Hamelin qui va être son partenaire. L'entraînement de John Size. Bon, le 6 dans les salles de départ. Pas évident, il y a 60 euros, hein. Il y a 56 maintenant, il passe à 56. Oui. Il a des œillères avec des... Un visor, j'ai regardé parce que ça m'agaçait. Visor, c'est des œillères avec une fente sur le côté, pour pas que les chevaux soient pas trop perdus quand même. Donc bon, voilà, on les lui a enlevés, et à la place, on a mis avec des trous. PC, ouais, Pacifier avec des trous. Alors voilà un cheval qui est, je vais te laisser en parler puisque tu aimes bien ce cheval. Moi j'aime bien Sarmac. Sarmac, si tu regardes bien, il est quatrième la dernière fois dans la dernière course préparatoire, troisième dans la course précédente. La dernière fois, il avait le 8 à la corde, la fois d'avant c'était le 3. C'est un cheval qui vient derrière en général. C'est le plus petit rating de la course, c'est pour ça qu'il est en bas du tableau. Et malgré tout, Caristitan se dit assez confiant avec ce cheval-là depuis le début. Il pense que c'est vraiment un cheval qui peut réussir sur les 2000 mètres du derby. Et qu'il a une belle carte à jouer. La dernière fois, il finit vraiment très bien. Hein. Il vient de loin, il finit très fort. Si je veux me faire l'avocat du diable, je te dirais que le 17 décembre, il a été battu par Speed Dragon. Oui, ce jour-là, Speed Dragon lui rendait 3 kilos, donc aucune raison. La fois d'après, il a été battu par Simple Edge qui lui rendait 3,5 kilos et qui ne l'a pas regardé. Oui. Voilà. Et depuis, lui, il a progressé, les autres sont régressés. Il a progressé, et il a fait voir l'autre jour qu'il pouvait. Prendre une place, un joli code. Et là, il y a 21 balles quand même. Ah, il y a John Size, il faudrait qu'on ait le son. Ah. Attendez. Alors moi, je vais continuer de parler pendant que tu écoutes et que tu vas décrypter les propos de John Size. Je vais essayer. John Size, hein, qui présente le 2 Elias Express, le concurrent, qui a gagné les deux premières épreuves de ce triptyque. Et il présente aussi le 5 Ansoud avec Ryan Moore. Voilà. Donc, John Size, hein, qui donne son avis. Je vous fais un point sur les cotes en même temps. Toujours le 7, Massive Sovereign. Favori à 3,40. 3,50 pour le 2, Elias Express. 6,20 pour l'autre John Size, Ansoid. Chibi, le 4, est à 9,20. Et ensuite, les autres sont à plus de 10 contre 1, notamment l'As Galaxy Patch qui est à 11. Les concurrents sortent. Et ici, vous avez donc le 2 Elios Express. Et Kugloman, président de l'Estade de l'État. Len Feeling derrière. Danny Schum. En dessous de la 5 avec Ryan Moore. Posé à 6,20. Alors, il a dit, John Size, j'ai écouté ce qu'il disait. Donc, pour ce qui concerne Elios Express, il a ouvert le parapluie en très grand. Pardon, je vais éteindre ça. Il a ouvert le parapluie en très grand en disant l'ennui, c'est que c'est vrai qu'il y a des chevaux qui ont gagné avec des mauvais numéros de corde le derby, mais pour lui, c'est particulièrement problématique parce que c'est un cheval qui reste tendu. Il a l'air un petit peu plus détendu au travail, mais ça ne veut absolument rien dire, d'autant plus qu'ils vont démarrer devant les tribunes. Donc ça va être un peu... Il va y avoir, les gens vont hurler, etc. Donc le cheval risque d'être un tout petit peu tendu et d'avoir du mal à aller au bout dans ces conditions-là. Bon, c'est un cheval de classe, etc. C'est pas la question, mais je veux dire, il dit que c'est quand même pas... ça se présente très très mal. Ensuite, le cheval est bien, mais ça se présente mal. Et ensuite, pour Ensoud, par contre, il est un petit peu plus confiant parce qu'il dit que le cheval tient à distance. Malgré son numéro de corde, il peut aller devant, il peut galoper dans les 4-5 premiers et il ira au bout. Voilà. Alors, on peut noter que Elios Express n'a pas de bonnet. Hein. Non.
Non, bah, non, parce que bah non, lui c'est plutôt le contraire. Enfin, il faudrait plutôt même lui boucher les oreilles parce que c'est un cheval qui est un peu trop tendu. Et... Oui, mais il aurait pu avoir un bonnet. Ah, bonnet, tu vois des chevaux qui parlent des oreilles. Un bonnet assourdissant. Ah, bah, il n'a pas. Bien. Non, il n'a pas parce que je pense qu'il n'a pas envie de trop trifouiller grand chose avec ce cheval-là, de peur que ça fasse un effet bizarre. Ah, le Laurent Brunto local est parmi nous. Oui. Vous voyez, il y a du monde. Hein. On annonçait plus de 50 000 personnes là-bas à Hong Kong pour cette belle réunion. Hein. Mm. Pour les propriétaires, faut pas se tromper, c'est la course qu'il faut gagner. Hein. C'est pas les courses de décembre ou les courses d'avril, c'est super sympa, il y a beaucoup d'argent, mais c'est cette course qu'il faut gagner, qui est dotée quand même de 3 millions d'euros environ, hein, donc plus d'un million et demi pour le premier. Le premier va prendre, oui, va prendre 1,7 million à peu près. Alors je regarde s'il y a des prises pour l'instant ou pas sur Hong Kong. Bon, pour l'instant, il y a des petites touches avec le jumelé As 11, c'est-à-dire Galaxy Patch. Et Kain Generation, qui lui est à 27 contre 1, Kain Generation. Galaxy Patch est à 9 contre 1 et a toujours 3,60 sur le 2 Helios Express, le favori étant toujours le 7 Massive Sovereign. Alors que vous avez ici Ryan Moore à l'image. Alors Génie a bien aimé le 7, le 9, le 6 et le 3 au paddock. Massive Sovereign, donc c'est le cheval qui a débuté par une victoire assez sensationnelle. Ensuite, le numéro 9, Speed Dragon. Tiens. 41 contre 1. Ensuite, le numéro 2, Helios Express. Non, c'est le 5 Ansold. Ah non, c'est Marc. Non, c'est Marc, là. Ah oui, c'est d'accord. Autant pour moi, oui, j'avais pas. J'étais resté sur la même. Qu'est-ce qu'elle avait dit du coup? Je l'ai zappé. Je l'ai zappé aussi. Ah, ici, on a la casaque jaune et rouge du numéro 9. 8. Non, c'est le 9, c'est Speed Dragon. Ouais, Speed Dragon, justement, quand on parle du loup. Ce sera un comble pour Miguel Barcelona que le cheval fasse l'arrivée aujourd'hui. Ouais. Moi, il m'avait plu la fois d'avant. La dernière fois, c'est vrai que. Ah, il a fait beaucoup d'extérieur. Ouais, c'est difficile de juger, ouais. Alors ici, vous avez le 7 Massing Sovereign et puis Alexis Badel, hein, le tenant du titre avec le 8 Beauty Crescent. Alors 36 contre 1 là-bas, alors que Massive Sovereign. Hein, et Massive Sovereign avait fait des trials tout à fait excellents. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Et, alors attendez, je retrouve les trials qu'il avait fait. Il a gagné arrêté la dernière fois. Il est au Massive Sovereign, il est là. Il avait, avec Zach Purton, il avait terminé 3e. Voilà. Il avait aussi couru avec Romantic Warrior, The Best Patch et troisième de Outback, mais c'était Happy Valley, hein, le dernier qu'il avait quatrième fait. Quatrième de Romantic Warrior, et toi, Romantic Warrior hein, qui a remporté cette épreuve. Oui, il y a deux ans. Ouais. Il avait gagné, il était battu par Macomet. Et simplement, il y en a deux hein, qui ont réussi à remporter les trois volets du triptyque. C'est Rapper Dragon. C'est Rapper Dragon et Golden 60. Donc, voilà. En 2017 et 2020, si je ne m'abuse. Golden 60, lui, il coche toutes les cases. Hein. Dying Generation, il y a deux couplets qui partent de lui qui sont joués au couplet gagnant. Et sinon, on a l'As, As 3-9. Hélène Feeling. Hélène Feeling, ça c'est un petit problème, Hélène Feeling. Le cheval, il a le 11 à la corde, il a c'est vraiment pas facile pour lui. C'était Zach Purton qui l'avait monté régulièrement, et donc du coup, Zach Purton est parti. Et c'est Jamie McDonald qui se retrouve au départ. Le cheval, la dernière fois, court un petit peu, il a un plutôt bon parcours, mais c'est vrai qu'il était un petit peu, il avait un peu tiré au début. C'est difficile alors, de le condamner sur la dernière fois quand même. Alors, s'il y en a un qui connaît bien Massive Sovereign, c'est Ryan Moore, hein, puisque Ryan Moore l'avait monté et avait d'ailleurs triomphé avec lui. Ah, en Irlande, enfin en, oui, en Europe. Oui, tout à fait, en Europe. Et il faut savoir que c'est un fils de Non et Never. Et la mère, c'est une mère née et élevée en France, Sweet Charity. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est My Boy Charlie. Donc ouais, le père et le père de mère ont gagné sur 1200 mètres le prix Morny, en fait. Ouais. Si je me souviens, il a gagné le Morny, Non et Never, non? Oui. Ouais. Et donc ça fait que c'est un choix qui était plutôt conçu peut-être pour faire un cheval de vitesse. Et donc, visiblement, il tient. Et visiblement, il tient, puisque. Ah, l'argent sur le 3, Helen Feeling, il passe à 25 euros. Il reste à 25 euros, il y a pas vraiment de, il est passé de 32 à 25 pour l'instant, mais donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. King Generation, c'est quand même. 6 couplets qui tombent, 6 couplets qui tombent sur lui. Galaxy non, Patch, pris sur Galaxy Patch à 9,40. Bah, ça passe ou ça casse, hein, Galaxy Patch. C'est vraiment un pari terrible. Mais Black Sheen, super jockey. Là, ouais. Voilà notre petit Caris. Avec Starman qui est à 22 contre 1 pour l'instant, 9,40 Galaxy Patch, hein. Le voilà, Galaxy Patch. Il est ici. Il va vraiment falloir qu'il trempe ses mains dans l'huile, Black Sheen. Il faut qu'il fasse largement aussi bien que ce qu'il a fait ce week-end à Rose Hill Garden dans le Golden Slipper. Encore une fois, je vous recommande de regarder ça sur YouTube, vous avez trouvé la course. Voilà, le 7-9-6-3 pour Jenny Oron. Et là, c'est là, on a Wilfried Engelbert à droite, là, qui est le patron de
de Hong Kong, avec quelques vedettes de Hong Kong aussi. Let's Play the Feeling, hein, qui est très joué. Il est tendu, le 2, Lios Express, regarde-le. Là. Ouais. Il est bien assez tendu. Alors, pas facile de faire... Il y a de l'argent, hein, Chilchibi, hein, très joué hein, quand même, hein, 9,80. C'est... Un cheval d'Happy Valley, les gens aiment bien ce genre de challenge aussi là-bas, je pense. Ouais. Il est assez populaire, Chilchibi. J'ai vu que c'était... Je me demande si c'est pas Tom Wood qui l'avait mis en tête de son prono. Si, il y en a un qui l'a mis comme pas cheval du jour, mais la meilleure outsider, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est quel numéro? Unbelievable ici, le 10. Ça, c'est un point d'interrogation aussi. Ouais, c'est bien Tom Wood qui l'a mis en tête. Il l'a mis en tête devant Massive Sovereign. Hein. Et là, Massive Sovereign, il est ici avec Zach Burton. Alors, il a le 10 dans les stalles de départ, qui avant le coup n'est pas non plus. Allez, le 3 et le 11, c'est vraiment, il y a beaucoup d'argent. Moi, la Kaying Generation, bof. Les pronos, c'est assez sensationnel, parce que dans les pronostics de là-bas, là, je regarde sur le South China Morning Post, il y a une espèce de challenge des pronostiqueurs. Le 7, Massive Sovereign, est donné 26 fois. Le 5, Ensud, et le 4, Chilchibi, 13 fois et 12 fois. Et Helios Express arrive en 4e position avec 11 citations. Incroyable. C'est énorme. Mais je veux dire, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Massive Sovereign, c'est le profil type du cheval qui vient. C'est celui qui a parlé, le dernier qui a raison un petit peu. Ouais, ouais. Le tout le monde a un peu le. On se dit, oh, c'est peut-être pas un lot extraordinaire. Et arrive un cheval qui se révèle au dernier moment. On se dit, bah tiens, c'est peut-être celui-là, le champion de la génération. On aura confirmation de tout ça dans quelques minutes maintenant. Alors que l'As et le 3 sont écrasés d'argent. Maintenant, ça y est, les deux, prix sur les deux. 8,50 pour Galaxy Patch, 23 euros pour Helen Feeling. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Monster Mac est à 23 contre 1. Sur The Turf, il va être à combien? Voyons voir. Il y a un Z4 naturellement dans The Turf. Et là, on a du 3,20 pour Massive Sovereign et Helios Express à 3,60. Et les concurrents qui sont pratiquement tous dans les stalles de départ. Ouais. Alors, on va voir comment ça va se passer. Il y a un peu d'argent sur le 11. Le 6, Chen Chang Glory dans sa stalle. Et ils vont s'élancer 2000 mètres départ devant les tribunes. Et c'est parti pour ce Hong Kong Derby avec un excellent départ. Hein, côté corde pour le 11. Le 11 qui est Kang Generation, bien parti également. Le 12, Elliptical à l'extérieur. Le 5, Ensoid vient également virer en 4-5e épaisseur. C'est pas facile. Les trois favoris sont en dernière place, regarde. Alors que Galaxy Patch est en dernière position avec également Helios Express et également le 7, Massive Sovereign. Les trois qui attendent. Dans la ligne d'en face, les 11, Kang Generation, avantage avec André Azzeni. Le 6, c'est Chen Chen Glory. Vient aux avant-postes également en compagnie du 12, Elliptical. Des outsiders. Le 3, Helen Feeling est quatrième avec un beau parcours. Ryan Moore doit voyager en troisième épaisseur avec le 5, Ansoud. Elle se rapproche dans son sillage, Alexis Badel, avec le 5, le 8, Biotic Recent. Des concurrents qui sont en ligne d'en face. Toujours le 11, Kang Generation. Quel avantage, Pierre Heng. La deuxième place pour le 8 qui est... Non, pour le 6 qui est Chen Chang Glory. La troisième place pour Elliptical. Alors que on est toujours en dernière position avec Galaxy Patch. Helios Express tente de venir côté corde, mais encore très loin des premiers. Les premiers qui sont toujours le 11 et le 6. Elliptical qui est troisième. La quatrième place pour l'instant, Helen Feeling. Le 3 qui va essayer de ramener les autres. Et c'est pas facile pour Ensoud. Qui vient avec le 4, Chilchibi, qui a des ressources en 5e position. Les concurrents qui vont sortir du tournant avec toujours le 11, Kang Generation, avec Helen Feeling maintenant qui se décale et qui va tenter de venir à l'extérieur. Il est en train de doubler Chen Chen Glory avec Elliptical qui est là. Les autres sont plus loin. Kang Generation qui a l'avantage en 2e position pour l'instant. Toujours le 6, Chen Chen Glory avec Helen Feeling qui vient. Les autres sont plus loin. Kang Generation qui est parti et qui va s'imposer sans doute. Kang Generation qui a encore 200 à faire avec Massive Sovereign qui termine de plus en plus fort. Massive Sovereign aura-t-il le temps de revenir avec Galaxy Patch avec le 11 qui a toujours l'avantage, le 11 pour la victoire et qui est devant Galaxy Patch, sa troisième place pour le 11, Kang Generation, j'ai pas vu qui était le quatrième, Massive Sovereign, c'était le bon favori en fait. Là, ce Galaxy Patch termine deuxième, le 11 a tenté son batout dans la fuite en avant et il se contente de la troisième place. Ouais, troisième place, hein, quand même. J'ai cru qu'il allait gagner, moi, comme toi. Je ne sais pas qui est quatrième. C'est peut-être Chilchibi. Chilchibi, sans doute le 4. Sans doute le 4. Et le Express, tu vois, il est au milieu, là. Il n'a pas pu revenir. Il a vraiment, il était trop, il en a trop fait. Ouais. Une bonne fin de course au centre de
C'est ça, le noir et rouge qui finit bien. Unbelievable, je pense, qui va terminer cinquième, regarde. Unbelievable, c'est un Alzan. Ouais, c'est ça, c'est lui, regarde. Le 10, ouais. Il en fait pas mal de rangs pour finir, il bat Helios Express et puis à la corde de Sabot Chancheng Glory. En tout cas, le 7 qui s'impose devant l'As, le 11 et la quatrième place pour le 4. Ben, Massif Sovereign, effectivement, il a été filé au rendez-vous. Et t'as vu ce qui est incroyable, c'est que... Et en plus, Zach Purton pour gagner cette course. Oui, il l'a gagné une fois jusqu'à présent, 7, en 2015. 11, 7 et 10. Et Galaxy Patch fait encore une fois, il est quand même dernier décollé dans le tournant, hein, Galaxy Patch. Ils sont allés à bon train parce que j'ai regardé, j'ai pointé par rapport au temps de référence. Ils sont tout le temps un peu en dessous du temps de référence, de 5 dixièmes dans le premier quart de mile, d'un petit peu moins de 2 dixièmes dans le suivant, et puis ensuite de 4 dixièmes, et puis j'ai pas regardé les deux derniers. John Size, c'est trois pensionnaires, il a pas eu le parcours facile. Et tu vois, dès le départ, les favoris se mettent derrière, et Helios Express se met derrière la corde, il dit bon, on va attendre ici, Galaxy Patch est dernier, et Massif Sovereign, regarde, Zach Purton le reprend. Il est dans le dos de Speed Dragon, justement. Il reprend tout de suite. Enshud, complètement à gauche, toque blanche, là, vous le voyez en dehors de Helen Feeling. Il a troisième épaisseur. C'est-à-dire qu'en plus, il est resté derrière, si tu veux. Les chevaux qui sont partis devant ont pris un petit peu de large. Il est resté derrière et malgré tout, il n'a pas pu se rabattre. C'est Helen Feeling qui n'est pas un très bon parcours non plus. Bah, Helen Feeling, si, il est quatrième. Il a choisi d'attaquer à l'extérieur. Il pensait qu'il avait plus de ressources, mais il n'en avait pas. Ouais, non, ça n'était pas bon. Ça chassait pas mal. Et là, du coup, il continue d'accélérer. Continue d'accélérer. C'est bon dernier. Et Massing Sovereign, qui est avant-dernier à cet instant. Les deux premiers sont aux deux dernières places. On va voir dans le parcours. Et il attend Massif Sovereign, il attend encore. C'est-à-dire qu'il y a déjà... Il ne peut pas faire grand-chose. Non, hein, il ne peut pas, il est coincé en vrai. Et là, ce gars... Il reste à la corde. Également. Ils sont tous les deux dans le rail. Helios Express est déjà battu à ce moment-là. Et il est juste devant Helios Express. Il est devant le gagnant et devant le deuxième. Vous voyez, ils sont... Le petit parcours pour les deux. Galaxy Patch va rester côté corps. Vous voyez, il a décalé son partenaire et hop, il y a un trou. Et là, maintenant, c'est un boulevard. Et Galaxy Patch va suivre dans son effort Massing Sovereign. Il a encore trois longueurs d'avance à ce moment-là. Kane Generation. Galaxy Patch, tu sais, c'est fabuleux quand même. Mais les deux, les deux. Les deux, c'est très bien ce qu'ils font. Ouais. Alors, regarde Unbelievable derrière, qui va finir au milieu des autres. Oui, lui, c'est plutôt un cheval pour la Hong Kong base, mais... On va attendre un peu. 7 As 11 4, une belle victoire donc du favori de la course, le 7 Massif Sovereign monté par Zach Purton, deuxième victoire de Zach Purton dans ce classique très très recherché, très convoité, qui est le BMW Hong Kong Derby. Et voilà donc un jockey australien qui va être non seulement probablement sacré pour la 7e fois champion des jockeys là-bas à Hong Kong, mais qui en plus partira avec une voiture toute neuve ce soir. On se retrouve maintenant pour la 8e. 8e course qui n'est pas du tout inintéressante, bon, c'est évidemment un petit peu de catégorie, quoique c'est quand même une course de classe. On se retrouve sur 1200 mètres. C'est ton petit coup de cœur. Mon petit cheval, mais il n'y a pas que, malheureusement, ils ne courent pas tout seuls aujourd'hui. Il y a quasiment les meilleurs sprinteurs de Hong Kong qui sont là. En fait, c'est la course que Galaxy Patch aurait pu gagner, certainement. Mais ce qu'il fait sur 2000 mètres est magnifique. À tout de suite. C'était bon. Dans cette course-là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais ça va aller. Avec une bonne vision, de l'ambition, ça va aller. Faire sa place n'est jamais facile. Mais ça va aller. Avec la bonne équipe, avec le soutien des parieurs, avec un partenaire qui partage la même vision. Ça va aller. The Turf, partenaire d'Infinity Nine Horses. The Turf, une histoire de turfiste.
Allez, le derby maintenant, on a vu la remise de prix, les BMW distribués à tout le monde, c'est formidable, et on se replonge sur, je dirais pas le quotidien quand même, parce qu'on est quand même sur une course, la 8e, la R2C8, donc de 1200 mètres, qui est une course de classe 1, c'est quasiment les meilleurs chevaux de Hong Kong hein, sur la spécialité, à part Galaxy Patch qu'on vient de voir courir à prendre la deuxième place du derby, Gilles. Oui, 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 c'est un, comment dire, c'est un lot qui tient plus que la route. Ah oui, c'est vraiment une belle course. Dans cette épreuve, une position de favori, un pour le 2, How Deep Is Your Love, qui est à 2,50 là-bas à Hong Kong. Il est ici, à l'image, c'est How Deep Is Your Love. Et il reste sur un succès, c'était sur 1200 mètres. C'était dans une classe 2 ce jour-là. Il devançait Galaxy Patch, justement, d'une longueur. Alors, Galaxy Patch, on a vu qu'il était capable de faire beaucoup plus hein, en distance, alors que notre ami How Deep Is Your Love avait montré ses limites sur 1600 mètres l'avant-dernière fois. Lui aussi avait essayé d'emprunter la route qui mène au derby. Bon, son entraîneur, John Size, avait décidé de le raccourcir. Eh bien, lui en a pris puisqu'il a triomphé sur 1200 mètres, le même tracé. Alors, cette fois-ci, c'est une classe 1. Mmh. Et How Deep Is Your Love va notamment affronter 6-3 Duquay. Alors lui, c'est pas un père drôle de l'année. Il a 8 ans désormais. Il est bien connu à Hong Kong, ce Duquay. Il est proposé à 20 contre 1 et il reste sur des échecs. Hein. Les dernières fois, c'était moyen. Et notamment dans une course emportée par Nervous Witness. On y reviendra tout à l'heure à ce Nervous Witness. Ici, le numéro 5, Adios, monté par Matthew Poon pour Frankie Laure. Il est à 40 contre 1. C'est pourtant un cheval qui a fait... Il a pas mal couru ces temps-ci, il vient de faire, en fait il a couru deux fois cette saison simplement, il a commencé par une cinquième place dans un lot de 8 partants à Pivalet, il courait très proprement, il finissait même assez honorablement à seulement une longueur un quart du gagnant qui était Tomodachi Kokoro. Et puis dernièrement il a recouru à Châtine, il a fait sa rentrée donc à Châtine sur 1000 mètres simplement et non pas 1200, et là il était un peu pris de vitesse et il termine à la 8e place simplement, il y avait 21 contre 1, c'est Nervous Witness qu'il retrouve ici au départ, qui s'imposait. Malgré tout, malgré sa cote, et malgré son numéro 9 à la corde, je vous déconseille de rayer complètement Adios dans un champ réduit. Pour moi, c'est un choix qui peut encore prendre une place. Ici, on va voir en premier plan le numéro 9, Flying Ace. Flying Ace, il est assez suivi aussi, il est à 6,20€, même à 6,90€ maintenant. Il est monté par Zach Burton, donc auréolé de sa victoire dans le derby. Il a le 5 à la corde pour David Hall. Le cheval est assez régulier dans son effort, on va dire. Il a couru groupe 3, groupe 1, il a couru sur classe 2. Dernièrement, il est 7e. Moi, je trouve que c'est pas enthousiasmant, mais manifestement, le public là-bas et les pronostiqueurs lui voient une petite chance. Ça, c'est le numéro 9, Flying Ace. Et ici, le 11, Drombeck Banner, un cheval particulièrement irrégulier qui est associé à Caris Titan avec le 10 à la corde. Le cheval a gagné deux courses de façon un peu surprenante, une fois à 18 balles et l'autre fois à 6 contre 1, en prenant les devants et puis en jouant un petit peu au yo-yo avec ses adversaires. Il avait réussi à garder l'avantage jusqu'au bout. Mais la tactique maintenant est un peu éventée, on ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Même s'il prend la tête quasiment à chaque voyage, ces deux dernières fois, il a terminé 7e, et puis dernièrement, sur 1400 mètres également, il est terminé 3e. Et il est raccourci, effectivement, après avoir surtout couru sur 1400 mètres. Voilà, il est 3e, Datchley Beagle et Superboy dernièrement derrière, devançant Gummy Gummy et la critique. Bon, Drombeck Banner, il est proposé donc à 15 contre 1. Parmi les concurrents, alors moi j'aime bien Nervous Witness, hein, le 6. Nervous Witness, alors que vous avez ici à l'image Beauty Charge, qui reste sur un succès. Nervous Witness, qui vient de devancer sur 1000 mètres Invincible Sash, qui vient de devancer Carol Street et Whiskeyed, et Galaxy Patch, hein, qui terminait 5e ce jour-là. Avec le 12 à la corde en plus, quand il gagne. Avec le 12 à la corde, mais c'était 1000 mètres, donc c'était une bonne... C'était un bon numéro. Oui, c'est... Il a fait le bout d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut gagner. Alors, il est plus confirmé sur 1000 mètres, même s'il a... si on lui trouve le 7 mai 2023, une troisième place derrière Golden Express et Winning Dreamer sur ce tracé des 1200 mètres. Et puis la fois d'avant, dans une course que... Voilà, gagné par Victor The Winner, il y avait How Deep Is Your Love qui était 2e et lui, il était simplement 11e. Voilà, Jenny qui est devant ma BM. Électrique, celle-là. Électrique, c'est pas grave. Non, moi, j'en veux pas. Yeah, Jenny, mais How Deep Is Your Love, carrément, c'est ce qu'elle met en tête. Et du coup, c'est vrai que le choix des favoris, il est à 2,30€ aujourd'hui.
Sur The Turf, je regarde, il est à 6,20€. Je rafraîchis les codes tout de même. Non, 3,30€, autant pour moi. Donc, il y a est-ce des... qu'il peut donner le sourire à John Size qui a dû le perdre après déception posée ouais. par ses trois pensionnaires. Il est un peu, avant le coup, il disait ça va être très très compliqué quand même. Enfin bon, c'est vrai qu'N-Sud est un peu décevant quand même. Ouais, enfin, parcours épouvantable. Ouais. Parcours pas GG. Ouais, c'était pas la peine d'aller chercher un gros jockey pour ça. Et d'une façon générale, de toute façon, je pense que Kano Jockey est très bien à Hong Kong. Le niveau est suffisamment bon pour le garder, même dans les rencontres internationales. Enfin bon, ça c'est pas... voilà. que de faire du truc. Ici, du coin, on en a parlé. Le 4 Whisky, partie de chevaux qui a une... Ouais, c'est bien Whisky, ouais. mais c'est un cheval de 1000 mètres normalement. Oui, bah, c'est l'autre jour, c'était bien sur 1000 mètres, derrière Nervous Witness. Hein, ce jour-là, il était associé à Zach Purton. Ici, on a un gros plan sur le numéro 7, Packing Treadmill, qui est monté par Lyle Whitson, qui a le 1 à la corde, et qui, ma foi, est capable d'aller devant avec son 1 à la corde et d'aller assez loin dans ses conditions. Il a toujours bien couru quand il était dans un lot comparable. Parfois, il a des bons résultats, parfois un peu moins bons. Ça dépend un peu de la façon dont ça se goupille. Et là, avec le 1, il devrait pouvoir avoir un parcours favorable. L'avant-dernière fois, il est 9e, mais c'est un groupe 1 sur 1200 mètres. Il a raté son départ, manifestement. C'est Victor de Winner qui gagnait. Il n'a pas pu revenir sur les chevaux de tête. Oui. Là, c'est le numéro 9, Flying Ace. On en a déjà parlé. On n'a pas encore parlé du numéro 8, Invincible Sage, qui n'est pas paru à l'écran, peut-être, ou alors au moment où on parlait d'autre chose. Oui, on l'a vu. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Je pense qu'il est extrêmement doué. Est-ce qu'il n'est pas meilleur en 1000 mètres mais... Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'il est un peu meilleur en 1000 mètres. Mais ça m'étonne, j'arrive pas à comprendre ce qui l'empêche de performer également sur 1200 mètres. Là, c'est ni Hugh Bowman, ni Alexis Badel, ces derniers jockeys, ni Zach Purton qui y sera associé, c'est Blake Chin. Blake Chin qu'on a vu que terminer deuxième avec Galaxy Patch dans le derby. Donc, un jockey en très grande forme et un jockey de grande classe qui était d'ailleurs redoutable à l'époque où il courait à Hong Kong. C'était vraiment une rente, Blake Chin. C'est malheureux qu'il ait dû partir. Enfin, c'est comme ça. Et j'aime beaucoup ce Invincible Sage qui, bah, effectivement, comme tu le disais, a plus de performance sur 1000 que sur 1200 pour l'instant. Il a réessayé l'avant-dernière fois à 1200 mètres, il a fini 6e. Hein. Bon. Mais bon, il faut sans doute aussi, Flying S, hein, c'est sans doute une bonne chance également, hein, avec Zach Purton. Alors lui, c'est qu'en fait, c'est un cheval qui a Invincible Sage un petit peu, paradoxalement, pour un cheval de 1000 mètres, il ne démarre pas très bien. Et en fait, sur 1200 mètres, il a complètement raté son départ. Là, un gros plan sur Duke Wilde, qui avait fait sensation. Duke Wilde allait en courir le plus grand sprint coréen, c'était au printemps l'année dernière, je crois bien, et il avait fait une bonne perf, et puis depuis, il fait un peu ce qu'il peut, mais c'est pas facile. Là, c'est le numéro 2, How Deep Is Your Love, donc le favori de la course, qui est bien assez tendu, lui aussi. Pensionnaire de John Size, comme tu le disais, il vient de gagner après avoir plusieurs fois été un peu flirté avec la victoire, mais sans réussite du tout. Et il avait le numéro 6 à la corde, et il s'est imposé assez sûrement devant Galaxy Patch. Ce qui n'est pas rien. Drumbeck Banner ici, Caris Titan, pour l'entraînement de Pierre Heng. On a parlé. Il y a un cheval qui me pose problème, c'est l'As Courier Wonder. C'est un cheval qui était très estimé à un moment donné. Il avait terminé deuxième de Lucky Swaines, par exemple, en début de saison, enfin, plutôt il y a un an, le 30 avril, dans une course de groupe 1. Ça devait être probablement le sprint de la grande journée de l'international du mois d'avril. Il déroule le 28 avril cette année. Il était deuxième de Lucky Swaines, après quatrième, après troisième. Et puis là, cette saison, c'est pas ça. Bah, si, pour sa rentrée, c'était bien. Il est troisième d'Adios en lui rendant 9 kilos. Bon, en juillet Oui, oui. Non, c'était la dernière course de l'année dernière, tu veux dire. Après, la dernière course de l'année, oui. Et après, en fait, non, il a couru, tu vois, tout de suite groupe 1 tard, en janvier. Donc il a quand même raté un petit peu. L'autre jour, il est quand même loin de Red Lion et de Mugen. Mais je serais pas étonné qu'il progresse parce que c'est Mark Newnham qui l'entraîne désormais à la place de Danny Schum. Et il est possible qu'il ait voulu prendre ses marques et que le cheval progresse. Maintenant, il y a 19 balles pour un cheval qui va terminer quatrième de Red Lion dans une course de 6 chevaux. C'est beaucoup d'argent, si tu veux. Tu ne trouves pas? Attends, je regarde comment ça évolue, sa cote. Il y a 29€. Ah ouais, non, mais il est remonté alors. Non, mais il est remonté. Moi, j'avais 19 semaines. Ouais, Packing Treadmill, ça paraît pas mal, hein, quand même. Ouais, c'est un cheval qui est assez régulier, qui peut aller devant. Oui. Sa dernière sortie, elle est quand même très bonne. Hein. Ouais. Deep Is Your Love, Galaxy Pass et Bundle of Charm, en devançant Incibel Sage. Oh là. Et là, il a la corde, donc il va probablement être sans effort tout de suite dans le coup. Il devrait avoir le bon parcours. Oui. C'est pour ça que c'est assez mieux amusant.
On n'a pas parlé du numéro 10, Beauty Challenge, qui est la montre de Matthew Chadwick avec le 2 à la corde, donc idéalement placé lui aussi. Il reste sur une victoire à Happy Valley, partait favori ce jour-là à 4,30 €. Il battait Tomodachi Kokoro, déjà alors que la fois d'avant, Tomodachi Kokoro l'avait battu. Il faut dire que bon, il avait pris une pénalisation depuis avant ça. Les courses qu'il a faites avant sur 1200 mètres à Châtin ne sont pas bonnes, en revanche. Et malgré tout, il y a 8,50. Bon, alors les prises, ça commence avec le 11, Drumbeck Banner, là, on y va. Hein. Il y a 15 €, effectivement. Oui, il y avait 16 tout à l'heure, mais il est surtout joué en jumelé. Il est jumelé en jumelé, notamment, avec le 4, le 6, le 7. Beaucoup. Caris Titan, avec le 10 aussi. Le 10, c'était Beauty Charge. Le 10 dans les stalles de départ, ce Drumbeck Banner, qui vient de bien courir. Pour sa deuxième sortie de l'année. Bon, c'est vrai qu'il avait triomphé hein, sur 1400 mètres. Audi Pizzurla va vraiment prendre énormément d'argent et en fait, ça fausse complètement le betting parce que derrière, on a 5 chevaux. C'est pas compliqué, les 5 chevaux qui sont en vue derrière, les seuls qui sont à peu près joués, c'est le numéro 6 à 10. Zach Burton ici, qui doit le sourire, on peut deviner. Et derrière, il y a Drumbeck Banner à 14, t'as raison, il continue de descendre, il continue d'être joué. Maintenant, tous les couplets quasiment sont en vert avec le numéro 11, Drumbeck Banner, qui va finir à moins de 10 balles, je pense. Il y a énormément d'argent sur Audi Picture Love. Je trouve oui. que c'est un choix que je suis depuis un petit peu longtemps. Je trouve que c'est un peu déraisonnable quand même. Moi, je vais rester pour un. La place à 50, par contre, c'est juste. Pour une base en jumelé, je prendrai le 7 Packing Treadmill. Oui, peut-être bien. Oui. Voilà. Sans... Oui, parce que ça peut être amusant, ouais. Et oui. Bon... Enfin, il est joué. Hein. Il est à 6,40, hein, 70 à la place là-bas. Mais. On va dire que c'est une nerveuse sweetness, j'aime bien, mais la distance pour le 6, est-ce que ça va aller? Peut-être, peut-être pas. Nervous Witness, quand il avait débuté, il avait gagné en grand champion, etc. On pensait vraiment que ça allait devenir une vedette. Et il a complètement craqué derrière. Et là, il est revenu un petit peu, il s'est rappelé notre bon souvenir. Alors l'ennui, c'est qu'on n'a pas de Z4, ici, on n'a qu'un trio. Et on n'a non plus naturellement, puisqu'on attend. Drumbeck Banner est très joué à la place. Hein. Il y a 12 contre 1 à la gagne. Il fait l'objet aussi de prise à la gagne. Voilà. Allez, dépêchez-vous, parce qu'ils sont pratiquement tous dans leur salle de départ. Il reste Flying S avec Zach Burton, le 5 dans les salles de départ, David Hall, qui est aussi l'entraîneur du 8 Invincible Sage. Ils vont s'élancer. Allez. Alors, que se passe-t-il? C'est la corde, j'ai l'impression. Donc, allez, c'est parti pour cette huitième épreuve avec un excellent départ pour le 4 Whisky d'un spécialiste des 1000 mètres, bien parti également à son intérieur. Le 6 Nervous Witness qui se porte au commandement avec le 11 Drumbeck Banner qui est complètement à l'extérieur. Bien parti également le 3 Duke White qui est en quatrième position. Peking Treadmill, Kazakh blanc et bleu et côté corde en cinquième position. De même que le 8 Invincible Sage à l'arrière-garde pour l'instant se trouve notamment. Le 2 Audi Pizzier Love qui est en avant-dernière position devant là, c'est Courrier Vander. Ils sont déjà dans le tournant. 3 de front, Nervous Witness, côté corde, avec à l'extérieur également le 4 Whisky, avec encore plus à l'extérieur le 11 qui est en troisième position. Packing Treadmill est quatrième, mais un pas encore à l'ouverture. Il reste 300 mètres avec Drumbeck Banner, Invincible Sage, et puis Packing Treadmill qui a trouvé l'ouverture. De même que Flying S, Zach Burton maintenant, avec Audi Pizzier Love qui vient en troisième position. Audi Pizzier Love qui vient attaquer le 9, qui va sans doute peut-être résister au 8 et au 2. Le 8, le 2, le 9. Le 9 pour 9, la victoire, voilà. Le 8 et la quatrième place à déterminer. 9 de 8, voilà, pour l'arrivée. Packing Treadmill peut-être à regagner à 4. Le 7, ouais, ici, les 4e. Ouais. Oula! Si, si, si. Ça fait 9-2, tu crois? On va voir le ralenti. Attends. Il a gagné, Zach. Ouais. 9, tout juste. 2, 8, 8, 7. Ouais. 9, 2, 8, 7. Et mon Invincible Sage qui est 3e, devant, effectivement, ton Packing Treadmill, donc on n'était pas loin de la soupe. 8, 7, Zach Burton. Nouvelle victoire pour Zach Burton. Qui, depuis qu'on a pris l'antenne, a gagné 3 des 4 courses. Hein. Oui. Belle journée pour notre ami Zachney. Le petit Zachary d'Australie va repartir en pleine forme aujourd'hui de son champ de course favori.
Ouais, c'était très chaud, il n'y avait vraiment pas grand chose pour finir. Il n'y avait pas grand chose. Mais bon, il a gardé tout juste. 9-2-8-7. Brenton Avdoula, je crois, est battu. Le 10, Beauty Charge. Et le 5 Adios. Et voilà. Alors, il y a toujours photo pour la victoire. Ouais, je suis peut-être un peu avancé. Je pense que tu as raison, mais parce que le balancier était défavorable à Flying Ace, et je crois qu'il a quand même gardé un poil de barbichette. On va attendre un petit peu, on va voir le replay, regarde. Oui. Alors, on a vu qu'un très mauvais départ, enfin non, pas mauvais départ, Yuboman avec l'As Courrier Wonder a carrément repris, s'est mis derrière en disant, bon voilà. Et du Pézur Lob, là c'est le orange, est avant-dernier, à ses côtés, en dehors, on a Adios, le numéro 6, numéro 5, Kazakh Jean des Noirs. Dernier, oui. Courrier Wonder est dernier. Alors par contre, en tête, on a Nervous Witness qui prend la tête, cheval de, à côté de lui, il y a Whiskid, et en dehors, 9-2, c'est bon, bravo. Et en dehors, il y a Drumbeck Banner qui a un parcours épouvantable. Packing Treadmill, lui, a le bon parcours, mais il n'a pas su jaillir réellement. Et Flying Ace est en 7e position à ce moment-là. On a Duke White qui est en dehors. Et Invisible Sedge est pratiquement... Là, je pensais que Invisible Sedge et Packing Treadmill allaient aller au bout. Parce que je trouve qu'ils avaient le parcours idéal. Devant, ça commençait à sentir un peu le roussi. Il suffisait qu'ils trouvent le passage. Mais c'est Flying Ace... Il a trouvé un sourire. Ouais. Et le cheval va jaillir vraiment de façon... il y avait le gaz. Il n'y a pas grand-chose entre... Ouais, et hop, il jaillit à ce moment-là. Et derrière, tout le monde est encore là. Il n'y a pas vraiment de décision qui est faite. Mais pour finir, quand même, Invisible Sedge, qui tient tout juste un 1200, visiblement. Et puis, Audipus Jurlov, qui lui, par contre, gagne des rangs pour finir. Voilà. C'était assez net, en vrai. 9-2-8-7, c'est l'arrivée de cette 8e course, avec une victoire assez nette, finalement, de Zach Porton en selle sur le 9 Flying Ace. Assez net. Non, pour moi, il y a eu chaud. Non, assez net, ce que je veux dire, c'est que les trois premiers chevaux sont vraiment... Ah oui, d'accord. C'est ça que je voulais dire. Merci de m'avoir repris. On se retrouve pour la 9e. Course intéressante, là, encore. Oui, on pourra jouer partout en France, tout le réseau de PMU, en plus de celui de The Turf. Et donc, position de favori là-bas pour le 4 Sweet Encounter. Et on aura Z4 et Multi pour tout le monde. À tout de suite. Dans cette course-là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais ça va aller. Avec une bonne vision, de l'ambition, ça va aller. Faire sa place n'est jamais facile, mais ça va aller. Avec la bonne équipe, avec le soutien des parieurs, avec un partenaire qui partage la même vision. Ça va aller. The Turf, partenaire d'Infinity Nine Horses. The Turf, une histoire de turfiste.
C'est la 9e, R2 C9, on peut jouer partout en France désormais, mais bien sûr sur The Turf avec un Z4 qui est dans la gamme, et on a comme favori maintenant le numéro 4, Sweet Encounter, qui est favori également des pronostics, hein, c'est lui qui est donné quasiment le plus en tête avec le numéro 1, The Best Pitch, qui en revanche lui est à 5,60, c'est juste derrière. Il y a beaucoup d'argent sur le numéro 11, Holly Lake. Holly Lake qui est monté par Andrea Azzeni pour Francis Louis, donc pas de report qui expliquerait cette prise. Il est à 5,40 alors qu'il était à 8,30 plus tôt ce matin. Pas mal d'argent. Mais on a ici avec le 3 Natural Storm à l'image. Natural Storm, c'est Antoine Hamelin qui va lui être associé. Avec le 11, pour Ricky Yu. Ricky Yu qui présente également le 2 dans cette course. Le 2, c'est Sipley Bridge. Bref, on va y revenir tout à l'heure. Natural Storm, hein, qui a triomphé l'avant-dernière fois, associé à Antoine Hamelin. Alors, il avait eu un super parcours ce jour-là. Il avait battu Hansud, hein, qui faisait partie des favoris des Hong Kong Derby. Il battait aussi Sipley Bridge. Alors, l'autre jour, ça s'est moins bien passé. Il s'est contenté de la 7e place, Natural Storm, dans une course remportée par Happy Together devant Champion Dragon. Voilà pour Natural Storm. Alors que Il descend un peu de catégorie, parce que là, on se retrouve en classe 3, hein, alors que là, on parlait de chevaux qui ont couru. Il est à 33 contre 1, pas très joué. Hein. Là, c'est le numéro 3, il s'agit j'avais zappé le numéro. Il reste longtemps dessus, en même temps. Oui, ils sont restés en dessus, mais on va passer tout de suite au 4. Sweet Encounter, Sweet Encounter. Alors, c'est la grande forme hein, pour Zach Thornton aujourd'hui. Il a gagné 3 des 4 dernières sorties, 3 dernières courses de cette journée. Dont la grosse. Dans le Hong Kong Derby avec Massive Sovereign. Et Sweet Encounter, il est bien connu hein, désormais. Si vous nous suivez régulièrement, vous l'avez souvent dans les courses. C'est l'entraînement de John Size, hein, ce Zach Thornton qui a le 12 dans les stalles de départ. Alors nous allons voir une course référence justement avec Sweet Encounter qui a terminé 4e. Oui, Natural Storm, il est complètement à l'extérieur. Il va terminer 7e ce jour-là. Et là, Sweet Encounter est à côté du cheval de tête. Il va plafonner pour finir quand même, parce qu'évidemment, il a un mauvais parcours. Et Natural Storm va bien terminer, effectivement. Sweet Encounter qui va se contenter de la 4e place. Et qui quand même qui tient le coup. Hein. Je veux dire, il est là. Et pour finir, hop, il est battu par des bons chevaux. Et Fun Together qui vient 2e avec Alexis au milieu, je crois. Oui. Un très bon cheval, c'est normalement. Là, il était battu par... Il avait gagné, d'ailleurs. Il avait réussi à gagner pour finir. Donc c'est une très bonne perf quand même de ce Sweet Encounter, qui a vraiment pas eu bon parcours, mais là il a le numéro 12 à la corde, et il risque à nouveau d'être piégé. Ici c'est Frank Tank, un cheval qu'on connaît bien maintenant. Oui, alors qu'il a mis du temps à gagner. Oui, parce qu'on l'a vu beaucoup sur la PSF, et là il a couru 2 fois sur le gazon, et en fait il a l'air de très bien se plaire sur le gazon, il vient de gagner sur 1800 mètres, le même parcours qu'ici. Il vient de gagner. Et sur 16, pardon, mes lunettes me font défaut. Il a gagné sur 16. Par contre il a pris 6 livres de surcharge. Et en plus, cette fois-ci, il n'a pas la décharge de son apprenti qu'il avait la dernière fois, et c'est Alexis Badel qui sera en piste. Oui, ce jour-là, il avait plu. On avait vu Beato terminer complètement à l'extérieur. Oui, en noir et blanc, oui. Ouais. Le terrain était, c'était dans les dernières courses, et le terrain était commencé à être un peu gras. Et Franck Tank avait bien tenu le coup, mais ce sera beaucoup plus difficile cette fois-ci, à mon avis. Avec le 13 à la corde par-dessus le marché. Sipi Brev ici, un concurrent qui a une bonne chance. Alors, dans la course référence tout à l'heure, nous avons vu Sweet Encounter terminer 4e, mais tout près, il y avait Sipi Brev qui terminait 6e. Et la fois d'avant, il était 3e de Natural Storm et Hansud. C'était sur les 2000 mètres de Châtine, concurrent qui a de la tenue. Après deux victoires, donc il avait pris quand même. Oui. Il avait pris en pénalisation, il était passé de 66 livres à 83. Donc, il avait pris 17 livres de pénalisation. Et malgré tout, il avait terminé 3e, 3e d'élite, mais 3e tout de même. Il avait gagné 2 courses sur ses 1800 mètres. Alors, on va rappeler hein, que le départ, il est dans la ligne d'en face, mais complètement à gauche. Donc, il y a quand même une bonne portion de ligne droite. Et c'est moins peut-être dérangeant d'avoir un numéro complètement à l'extérieur que sur d'autres tracés. Le 5 Peking Hurricane ici, avec Harry Bentley, l'entraînement de Caspar Fons. Peking Hurricane qui reste sur un succès d'avant Sipley Maverick et The Best Pitch. Hein, sur ce parcours, avec Harry Bentley également. Ouais. Il avait le 1 à la corde, cette fois-ci il a le 5, donc il reste sur une position assez favorable. Alors il a été pénalisé de 6 livres. 6 livres, ouais. Oui, c'est le tarif hein, généralement. On va voir maintenant s'il peut confirmer comme ça. C'est un choix qui
qu'on régénère après les premiers. Là, il a le 5 à la corde, il devrait, Harry Bentley devrait le planquer, puis il va essayer de prendre un maximum, de gagner le maximum de rangs pour finir. Ici, alors, le 6, Star Spawns a un autre partant là-dedans. Après le 5 Cracking Hurricane, c'est le 6 Columbus County avec Black Sheen. Hein. Là, c'est un install de départ pour ce concurrent. Il reste sur deux courses sur 2000 mètres, une quatrième place plutôt encourageante, la quatrième place de Hensoul dans une des courses de référence dont on a parlé. Il a le 20 à la corde. Cette fois, la dernière fois, par contre, il est 13e. C'était sur 2000 mètres à nouveau avec Harry Bentley et le numéro 12 à la corde. Il avait forcé pour démarrer. Il avait complètement craqué pour finir. Donc, je ne sais pas. Il a 28 euros. Pas facile. Là, The Best Pitch, un cheval qu'on connaît bien, qui vient toujours bien finir des derniers rangs. Il a le 10 à la corde. Donc, Aris Titan, son jockey, va pouvoir le plier derrière. En attendant que ça se passe. Bah, il va vraiment courir cette fameuse course référence que vous avez vue tout à l'heure à l'image, hein, gagnée par Happy Together, où vous aviez Sweet Encounter qui était quatrième et CP Brev qui était sixième. Et donc il court de derrière, il vient finir sur les autres. Donc s'il y a du train, il a une bonne chance. S'il n'y a pas trop de train, il va avoir du mal à gagner beaucoup de droits pour finir et donc à se glisser à l'arrivée. Oui, il a le 10 hein, dans les stalles de départ. Alors, est-ce qu'il y a des. Alors on enlève les viseurs, on met les œillères au 6 Columbus County. Ici, c'est le numéro 4, Sweet Encounter. Bah, c'est le favori, regardez-le. Il a l'air magnifique. Oui, il est proposé à 3 contre 1 là-bas. Il est super relax. Et 41 Hong Kong dollars pour 10 de mise. Non, il a l'air vachement. Non, il a l'air bien ce cheval. Vraiment pas lui reprocher grand chose, comme je vous le disais. La dernière fois, il est battu pour finir. Bah, il a longtemps tenu le coup. On peut lui reprocher de ne pas gagner souvent. Enfin, non, et d'avoir la 12 à la corde. Oui. Le numéro 7, Beauty Live, monté par Brenton Abdullah, le 4 à la corde chez Franck Killer. Le cheval reste sur 4 échecs retentissants. C'est dur de le voir se racheter ici. Je regarde, il a couru sur 14, 16, 2000, puis il est revenu sur 16, là, enfin, sur 18. Donc, pianote un peu. Il a changé de jockey quasiment à chaque sortie. Cette fois-ci, c'est Brenton Abdullah qui n'a pas monté encore. Je crois qu'il n'a jamais monté. Non, il y a eu Mathieu Chadwick, Alexis Badel. Il y a eu aussi l'apprenti, la Long. Derek Long, oui. Derek Long, hein, qui l'a monté plusieurs fois, d'ailleurs. Pas simple. Il l'a monté, d'ailleurs, très souvent. Même Zach Curtin aussi l'a monté. Bref, pas simple. Mais toi, je crois que tu aimes bien le 13 Enigma. On n'en a pas encore parlé. Oui, Enigma. J'aime bien Enigma parce que c'est un cheval qui est capable d'aller devant. Et quand il était allé devant, il avait très bien résisté l'avant-dernière fois. Et cette fois-ci, il avait terminé quatrième, je trouvais ça, non, c'était la troisième dernière fois. Il était battu pour finir, il terminait cinquième, mais j'avais bien aimé la course suivante. La dernière fois, il a eu un parcours épouvantable, il avait le nez au vent en dehors, il a pas pu faire sa valeur. C'était la course gagnée par Massive Sovereign. Et donc, du coup, il terminait onzième, bon, pas avec une excuse, il pouvait pas faire mieux dans ces conditions sur le parcours des 2000 mètres. Là, c'est sur 1800 mètres, je pense qu'il va mieux courir. Et il y a beaucoup d'argent, il y a 10 euros, ce qui, alors qu'il n'est pas donné du tout dans les pronostics, il est cité une fois. Oui, alors le 8, par contre, pas beaucoup joué, il s'agit de Brave Hearts. Il faut dire que les 4 courses à Hong Kong, à Châtine, n'ont pas été très bonnes. Il y avait 41 contre 1 pour ce 8 qui est muni d'un bonnet, vous voyez. Donc, il n'a jamais été joué, il était toujours à 100 contre 1 quasiment. Ouais. Et pour ce début, il y avait 60 et puis après, il est resté là. Donc, bon. L'entraînement de Jamie Richards, c'est pour lui le 3 dans les stalles de départ. Il est associé à Brandon Thompson. Un cheval argentin, mais je ne sais pas, peut-être qu'il s'acclimate encore un peu, il a seulement 4 ans, peut-être qu'il laisse un peu de temps. Frontang, donc, avec Alexis Badel. Et le 13 à la corde, qui reste sur une victoire. Oui. Alexis le découvre, il ne l'a jamais monté, en tout cas, en course. Non, il y a Mathieu Poon qui l'a monté, il y a Caris Titan plusieurs fois. Zach Burton l'a monté aussi quand il est quatrième, la troisième dernière fois qu'il est couru. Ouais, il est régulier. Voilà. Oui, c'est régulier. 12 balles, c'est assez généreux, c'est un cheval qui peut toujours faire l'arrivée. Et il vient de gagner, donc il a pris un peu sur la tête, mais oui. Bon, je pense que finalement, il a beaucoup couru sur le dirt avant de au début. Six livres, hein. Et maintenant, il se retrouve sur le gazon. Peut-être qu'il se révèle. Hein. Peut-être qu'il peut encore progresser. Ouais, je ne vois pas beaucoup de marge de manœuvre. Le Miss Majestic Victory. Là, il est Whitson pour l'entraînement de Tony Cruz. Le 9 dans les stalles de départ hein, pour ce concurrent, dont la dernière sortie est une deuxième place derrière Moments in Time. C'était sur l'hippodrome d'Happy Valley, sur 1800 mètres. Bon, alors c'est vrai que ces dernières sorties ont eu lieu à Happy Valley. Mais il a gagné sur ce parcours. Hein. Oui, alors il faut... Non, il a gagné à Châtine. Happy Valley. Pas sur ce parcours, mais à Châtine, il a gagné. Alors c'est mieux, hein. Oui, parce que il a gagné à Châtine, il a couru 12 fois à Châtine. Je regarde quand est-ce qu'il a gagné à Châtine. Non, je vois pas beaucoup de courses. Si, il a gagné à Châtine, on parle de Majestic Victory, il a couru 4 fois à Châtine, il a gagné une fois.
Alors, effectivement... Peut-être pour ses débuts, un truc comme ça, il y a très longtemps. Il a gagné le 20 février 2022 sur 1600 mètres. Donc, ça remonte un peu. Ça, oui. Mais il a gagné une fois, hein, simplement. Et il a 7 ans, il a couru une vingtaine de fois à Hong Kong, et gagné deux fois. Mais bon, sur ce parcours-là, non. Et sur la distance, il a gagné une fois aussi, mais ça devait être un pivalet. Ici, le 11, Lilek, qui est proposé à 5 contre 1, 2 euros à la place, Lilek, le 11, donc... Il est prêt à jouer au Lilek. En 6 nuits, donc, bah, c'est quatrième place derrière Massive Sovereign, Simple Edge et Billionaire Secret l'autre jour. Alors certes, il était loin du lauréat, mais il était tout près des placés Simple Edge et Billionaire Secret, associés à Andrea Zeni, c'est toujours le cas. Le 6 en est salle de départ. Bon. C'est un cheval qui était assez estimé en début de carrière à Hong Kong. On pensait vraiment qu'il avait fait peut-être un cheval de derby. Puis finalement, il ne s'est pas développé aussi bien que prévu. Il a quand même gagné ses deux courses. Donc tout oui, va il bien. A gagné deux courses consécutivement. Alors c'était sur 1400 mètres, hein, en novembre et en décembre. Et là, du coup, bah, il remonte un petit peu. Il a quoi sur 2000 mètres. Il avait le 6 à la corde, comme aujourd'hui d'ailleurs. C'était déjà Andrea Zeni, le monte pour la troisième fois consécutive. Le cheval avait démarré correctement, il était resté là tout le temps. Mais... Il était battu par Massive Sovereign, il est toujours là, mais bon, il n'a pas encore ce petit... Non, mais il a montré qu'il pouvait être allongé, donc, puisque la dernière fois, c'était une première sur 2000. Bon, là, il est sur 18, il a gagné sur 14, il a gagné sur 16. Le 12, ici, c'est Nicholson Returns avec Matthew Poon. Deux livres de décharge, voilà, pour ce concurrent qui m'a, vous voyez, il porte les œillères. Il a gagné, il y a trois courses, et puis du coup, il a monté de catégorie, il est passé de la catégorie de la classe 4 à la classe 3, et là, bah, depuis son résultat, donc c'est plus compliqué. Là, voilà le 13 Enigma, qui n'est pas particulièrement attrayant, physiquement en tout cas. Moi, j'aime bien, en piste, mais regarder comme ça au rond, il n'est pas très agréable. On vous a dit, le cheval, il n'a pas eu le bon parcours la dernière fois, on peut oublier sa dernière course, hein, c'était bien avant. Mais c'est une chance d'outsider. Avec Matthew Chadwick. Les cotes, qu'est-ce que ça donne? C'est la Kazakh d'Ariel, hein, je pense. Oui, c'est la même Kazakh d'Ariel que Waikuku, etc., tous ces chevaux. Oui. Bah, les cotes, c'est 3 contre 1 pour le 4 Sweet Encounter. Après, bah, ils aiment bien là-bas le 11 Lilek qui est à 5 contre 1. Ils aiment bien là The Best Pitch à 6,30, le 2 CP Brave à 6,80, le 5 Packing Hurricane à 7,60. Et ensuite, il faut aller beaucoup, il faut aller à 9 contre 1 pour trouver le 13 Enigma, mais également le 9 Frontang qui est à 10 contre 1. J'ai l'impression que, ouais, par rapport à la cote. La course la plus facile, mais. Non, par rapport à la cote que j'ai prise, les cotes que j'ai prises tout à l'heure, par exemple, Nicholson Return s'est passé de 52 à 45. Non, de 52 à 45. Holly Lake est resté stable à peu près à 5 contre 1. Majestic Victory est passé de 21 à 18. Frontang de 12 à 11. Braveheart de 40 à 42 lui remonte. Beauty Live à 95 reste à peu près stable, à peu près 100 contre 1. Colobus County, pareil, au 27, ça ne bouge pas. Packing Hurricane, il est passé de 8 à 7,50, ce n'est pas significatif. Sweet Encounter, il est passé de 4,10 à 4. Natural Storm, non. Rennes Spécial, 6,80 pour CP Brave, non plus. 6,20 pour The Best Pitch. En fait, on a un petit peu, relativement, délaissé les chevaux du haut du tableau, à part Sweet Encounter, et on a remis un peu d'argent en dessous. Oui, mais les chevaux du haut du tableau qui ont des très bonnes chances, comme l'As, le 2, le 4, ils ont respectivement le 10, le 8 et le 12 en install de départ. Même si je disais tout à l'heure que c'est peut-être moins grave sur ce tracé des 800 mètres, ça a quand même une importance. C'est d'ailleurs le 5, plus, c'est que tout le monde part bien à ton intérieur, tu te retrouves en dehors quand même. Ouais. Là, on peut estimer qu'Harry Bentley a le choix entre les Caspar Fons avec le 5 Packing Hurricane. Oui, il avait monté aussi la dernière fois. Oui, ça fait partie des chances, lui qui vient de triompher. Ici, Columbus County, justement, l'autre, passant le Caspar Fons, ici, c'est Sweet Encounter. Jenny, 9 à 6, 4 pour Jenny. Donc, qu'est-ce qu'elle aime bien? Elle aime bien le 9 Front Tank, ok. L'As, The Best Pitch, l'Alzan. Ici, le voilà, Front Tank, qui sort du, effectivement, il est assez élégant, ce cheval. Le numéro 6, Columbus County, et le numéro 4, Sweet Encounter. Voilà, Harry Bentley ici, le 5 à Peking Hurricane, Caspar Fons, 5 pour la Kazakh de Limanian. Et c'est Harry Bentley qui est en selle. Oui, l'autre c'est Black Sheen qui monte le 6 Columbus County, donc il reste sur un échec. Alors on va regarder. Les pronos, je vous ai dit, un pronos c'est As-4, hein. As-4, 4 As. Oui. Il n'y a vraiment pas de. C'est très net. On va regarder s'il y a
beaucoup plus nette que l'arrivée de la course précédente. Il y a des chevaux à jouer. Non, ça ne bouge pas beaucoup. L'As, le 2, le 4, le 11, c'est les 4 chevaux les plus joués. Avalon Lilek tient le 11. Regardez, ouais. Un peu allant comme ça. Oh, une avec Andrea Zeni, Lilek. Il y a 6-10, elle a gagné 2-10 à la place actuellement. Il est fait en sanglier un peu comme et ça. Notre ami Marc, lui, a choisi le 4, le 2, l'As et le 11. Bon. Côté, ce sont les 4 favoris également. Ah, Majestic Victory, c'est ça? Oui, ouais. C'est ça, le 10. Ouais. 17 contre, hein, là-bas. Oui, c'est quand même un peu d'argent, mine de rien. Hein. Il est redescendu encore, il était à 21, 17. 17 fois 1000. Hein. Oui, c'est bien. Une petite prise sur le 11 en jumelé. Holy Lake 6-20, ouais. Avec le 8, avec Brave Hertz. 40 contre 1. Il y a deux couplets à partir du 8 qui sont passés. Le 8-11 et 8-13 qui descendent. Popol, lui, c'est As-5-4-13. Brave Hertz, quand même. Popol, As-5-4-13. As, The Best Pitch, ok. 5, Packing Hurricane et 4, Truc Out Counter. Il est là, Enigma. Enigma, tiens, mais il a la même chose que nous. Il y a 11. Euros pour 1 euro et 3,50 à la place. À la course qui m'inspire le plus. C'est pas une course facile. Non. Peter Conter fait toutes ses courses. Maintenant, il n'a pas de marge, à mon sens. Il mérite peut-être un S4. Alors, je vais justement, tiens, je vais aller voir les codes sur chez Z. Ouais, je vais attendre de regarder parce que. Tac-tac, hop, là, chien. Alors, il me donne en cote favori le 4 Sweet Encounter qui est proposé à 3,70 en The Show et 6 en The Couillon. Avec Zach Burton, la place entre 1,40 et 1,90. Last, The Best Pitch, Caris Titan, 5,30. Une légère prise sur The Best Pitch chez The Turf. Le The Show est à 3,60. Le The Couillon à 6,90. Et la place entre 1,70 et 2,60. Lilek, 7,90 à la gagne, 9,50 en The Show, 6,60 en The Couillon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Peut-être le 5 Packing Hurricane avec oui, 26 en The Show et 12 en The Couillon, c'est topissime. Il y a 33 en The Show, 12 en The Couillon pour Packing Hurricane. Ça vaut le coup, ça, non? Oui, 26 désormais, oui. Ils vont peut-être faire pourquoi ça. Pourquoi pas, oui. Sweet Encounter, 4,30, 3,80, voilà. CP Brave est également à 10 contre 1 la gagne, 3-10 en The Show, 10 en The Couillon et la place entre 1,60 et 2,30 alors que les concurrents sont derrière les stades de départ. Vous voyez, ils partent complètement à gauche, hein, vous voyez, l'extrémité de l'hippodrome dans la ligne d'en face, longue portion plate et Nick, lui, a choisi le 3 l'As, le 5 et le 4. Nick. Alors, The Show, The Couillon sur Packing Hurricane, ça s'est fait. Parce que c'est vraiment trop... Donc, les gens qui veulent jouer comme toi, Manuel... Il faut qu'ils se grouillent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu veux dire en trio, jumelé, qu'est-ce qu'on peut mettre de beau? Enigma, il y a 22 sur l'ennemi. Il y a 11 là-bas. Et alors, toujours favori, hein, 3,90. Hein, Split Encounter avec Zach Burton. 1,70 à la place. Le 2 remonte quelque peu, le 9 en tant qui est à 9,80, 6,20 pour le 11 Lilek, et puis légère prise donc, pour le jumelé 6,9 à la place, à Columbus County avec le 9 en tank. Oui, effectivement, le 8 fait l'objet de prise aussi. Brave Hertz sont jumelés, ça c'est timide hein, pour l'instant. C'est... Il n'y a pas de. Bah écoute, moi j'ai fait. Il n'y a pas de fluctuation. 4, 5, 13. Alors, toi, tu as joué 4, 5, 13, Sweet Encounter le 4, le 5, Packing Hurricane et Enigma le 13. Et toi, qu'est-ce que tu mettrais du coup? Je ne sais pas bien. Je sais pas. Tu m'as dit que tu n'étais pas inspiré, tu disais. Ouais, non, je ne suis pas très inspiré. Entre une bêtise. Bah, si t'aimais bien Packing Hurricane, tu disais que t'es Packing Hurricane à 8 balles, c'est un pari. Il y a 8 euros. Mais par contre, aux autres couillons et aux autres shows, c'est top, hein. Il y a 12 balles et 20 balles. Il y avait, parce que, tenez. Avec tout ce que j'ai mis, ça a peut-être baissé, ouais, t'as raison. Rafraîchir les cotes, hop. Allez, 9. Il est passé, hein. Attends. Packing Hurricane, il est à 8,40 et 6,20. 6,20, c'est déjà moins rigolo, ouais.
Oui. Qu'est-ce qu'on a comme chevaux qui seraient capables de nous mettre Front Tank à 38 en The Show et à 9-10 en The Couillon, c'est pas mal du tout. Holy Lake aussi, c'est plutôt généreux, les cotes qu'on nous propose. Enigma est à 38 en The Show et tout. Fait l'objet de prise hein, là-bas. Front Tank, le 11, Holy Lake, oui. Front Tank, il est à 9-30 là-bas. Oui, ici, ouais, Alex Dadel sur le 9, le Front Tank. Il est en forme, qui vient d'être pénalisé de 6 livres. Bon, il est à l'aise sur le dirt, mais il est aussi sur la polytrack, mais il est aussi à l'aise sur le gazon, comme il vient de le montrer. Il y a des jeux sur les couplets placés à partir du numéro 11, Holy Lake également. Oui, le 9 et le 11. Il est à 6,20 €. Mmh. Oui, ça remonte un petit peu, il est à 5,80 € à un moment donné. C'est toujours Sweet and Grand Tour qui est le favori. Un peu le 4, je suis venu avec le 9. Le 6 également. Columbus County, pourquoi pas Columbus County pour une grosse cut. Ouais, pour une c'est grosse la barillette, hein, comme oui, la barillette, oui. Le 5 Packing Hurricane est et beaucoup plus joué. Maurice nous entend, salut oui. À toi. Columbus County, il faut être un peu extra lucide. Oui, avec Black Sheen, mais... Il y a le 1 à la corde. Il peut avoir le bon parcours, effectivement. C'est un cheval qui est capable de démarrer. La dernière fois, il a démarré deuxième. C'était sur 2000, mais il était tout de suite deuxième. Avec en dehors du leader. Il avait le 12 à la corde, c'est pour ça. Donc, il est vraiment capable de démarrer. Alors, le 12 à la corde sur 2000 mètres, ça veut dire qu'il est dans le virage tout de suite et qu'il a dû voyager. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a complètement... Son avant-dernière sortie était bonne. Là, il y a une petite rentrée. Il n'a pas couru depuis 2 mois. Mais c'est vrai que l'avant-dernière fois, il est quatrième d'Anso des 5-2 Patch. Alors, il a peut-être fait des trials intéressants puisqu'il n'a pas couru depuis le 21 janvier, sans doute. Qu'il en a je regardais ça. Je regardais ça. C'est un peu tard pour regarder ça. Mais oui, oui, mais... Et ils vont commencer à pénétrer dans leur stall. La lumière rouge est en train de clignoter. Vite, vite. Vétérinaire, je regarde déjà s'il n'a pas eu des petits bobos. Elle a eu des coliques le 14 février. Ah, c'est expliqué. Voilà, pourquoi il n'a pas été là pendant un petit moment. Et est-ce qu'il a eu le temps de faire des trackwork records? Ouais, il a Happy Valley. Ce que fait assez facilement Caspar Fawns. Hein. Ah oui, il y en a deux. Le 8 mars et le 15 mars, d'une semaine sur l'autre, il a fait deux. Ouais. Et c'était Straight Aaron qui gagnait la dernière fois à Pivalet, et lui terminait 4e, tout près de Caying Generation. Ouais. Et Unbelievable. Il est un peu joué quand même. Oui, il faut peut-être se méfier, effectivement. Rajoutez le 6 dans vos jeux si vous avez le temps. Et l'écrasé d'argent, c'est sur la prise. Ce sera la prise, le numéro 6, c'est sûr. Oui. Avec parce que là, ça tombe de tous les côtés, là, c'est parti. La teuf. Allez. Allez, on va partir. 1800 mètres. Nous en installe. On met du temps. Et c'est parti, voilà. Avec un excellent départ hein, pour Majestic Victory, hein, le 10, mais également le 9 Front Tank. Et Alexis Badel qui a regardé à gauche, il a vu qu'il pouvait se rabattre. Le 11 est également bien là, c'est Holy Lake qui est en 3-4e position, de même que le 13 d'Enigma avec Front Tank qui va tenter de se rapprocher de la corde. Il est toujours à l'extérieur de la piste avec en 2e position le 11 Holy Lake, bien placé Enigma, bien placé également le 10 Majestic Victory. Alors qu'on a du mal à suivre pour l'instant avec Natural Storm, le 3, en dernière position. Les concurrents qui sont au bout de la ligne d'en face, Alexis Badel qui se rapproche tranquillement de la corde et qui est toujours en tête avec le 9 Front Tank. La 2e place pour le 13 Enigma avec également le 10 Majestic Victory qui est 3e, Lille est 4e. Sweet Encounter a pu se ranger, les 5e désormais, mais en 3e épaisseur avec Columbus County qui est côté corde en jaune. À son extérieur vient le 7 Beauty Life, toujours à l'arrière-garde pour l'instant l'As, et le 3 qui ferme la marche Natural Storm. En tant qu'il y a nettement l'avantage avec en 2e position pour l'instant le 13 Enigma, Lilek, un beau parcours côté corde. C'est difficile hein, pour Majestic Victory et Sweet Encounter doit faire tous les boulevards pour l'instant alors que le 6 Columbus County est côté corde avec Front Tank qui a abordé en tête la dernière ligne droite avec des ressources semble-t-il. Il n'a pas encore accéléré franchement. C'est fait maintenant avec Sweet Encounter qui est 2e. Lilek qui se rapproche maintenant. Lilek qui vient attaquer Front Tank. Front Tank qui repart maintenant qui a toujours la avantage. Attention à l'extérieur, hélas, The Best Pitch qui va venir
très fort, The Best Pitch qui va venir triompher facilement. The Best Pitch qui va triompher, la deuxième place sera peut-être à la fin pour le numéro 2 qui est Sipid Red. Troisième place pour notre ami Holidek, le 11. Et peut-être que Alexis Badel a conservé la quatrième place. C'est sûr d'ailleurs avec le 9 Front Tank. L'arrivée 1, 2, 11, 9 et la cinquième place pour le 12. Nicholson Returns. Avec les favoris qui ont eu un parcours épouvantable, parce que Tom Gunter a le nez au vent toute la route, malgré son numéro. À cause de son numéro 12 à la corde. Du coup, il se retrouve effectivement le nez au vent. Il a fait illusion au début de la ligne droite. Et pour finir, il a complètement craqué dans les 100 derniers mètres, 200 derniers mètres même. Et derrière, on n'a pas pu vraiment faire grand. Columbus County n'a aucune excuse. C'était la prise. Hein, mais vraiment, il court mal. Et par contre, The Best Pitch, ils ont dû aller trop vite devant, et c'est pour ça qu'il a pu revenir complètement s'imposer devant un autre cheval qui revient d'un petit peu derrière, c'est le numéro 2, CP Brave. Le 11, Holy Lake fait bien sa course, et le 9, Front Tank devant, a réussi à garder quelque chose malgré un parcours pas à l'économie non plus. Oui, le 10 et le 8 à la corde pour les deux premiers de la course, The Best Pitch et CP Brave. Alors, The Best Pitch était proposé à la fin à 7,70. Il y avait 5,50 hein, pour les deux Brave, CP Brave. Alors, on va les visionner. On a ici The Best Pitch, vous voyez, Caris Titan. Ils sont l'un à côté de l'autre. Ils vont reprendre et essayer. Bah, c'est difficile pour eux de se ranger. Bah, les chevaux qui sont allés devant, il y a Front Tank qui fait l'arrivée et Holy Lake aussi. Mais Holy Lake, il avait un bon numéro. En fait, on pouvait tout faire dans cette course comme tactique. Et voyez, le gagnant, il est en avant-dernière position à cet instant. Devant Natural Storm, qui lui a du mal à suivre dès le début. Packing Hurricane se retrouve, lui, en troisième dernière position. Il va venir. Maintenant, il va accélérer à ce moment-là pour essayer de gagner des rangs. Oui, mais il est en troisième épaisseur. Il va se retrouver dans le sillage, vous allez voir tout à l'heure, du violet de Sweet Encounter. Voilà, qui lui a le nez au vent, il n'y a personne pour le couvrir à partir de maintenant. C'est-à-dire c'est très tôt, à 1000 mètres de l'arrivée. Lui, va suivre Packing Hurricane. CP Brave, lui, est encore à l'arrière. Ils ont plus de 800 mètres de ligne droite en face, quasiment. Hein. Ouais. Ils ont presque 900 mètres. C'est pour ça que Alexis Badel a pris son temps hein, pour rejoindre la tête à la corde. Oui, il a tout son temps, absolument. Et vous voyez, là, s'il va se faire amener par Packing Hurricane, le 2 est à son intérieur. Si, puis bref, il est au centre, la casaque, le 2, vous voyez, oui, le blanc, avec il est vraiment bien, là. Il est à l'intérieur de Brave Heart, c'est son départ. Beauty Life devant, Majestic Victory qui va pas pouvoir. Et là, il n'est pas très heureux parce qu'en fait, il va être tenu en dehors par Packing Hurricane, si, puis Brave, à l'intérieur par Majestic Victory qui traîne. Il ne peut pas passer, en vrai. Puis la suite Alcotor qui flotte devant lui, Oui, mais là, il peut, ils viennent en même temps. Maintenant, il peut. Mais The Best Pitch part lancer à ce moment-là. Oui. Tu vois, il regarde. Du coup, il a beaucoup de reins. Là, c'est pas encore Gégen quand même. C'est pas mal ce qu'il fait, ce cheval, je trouve. Bon, même s'il a un parcours. Le gagnant. Le gagnant tout au-dessus, ouais. Pour finir, ouais. Enigma, on passe de 11, 9 et 12. Bon, j'étais complètement à côté de la plaque. Enfin, pour ce qui me concerne, j'étais à côté de la plaque. Mais Pépé, c'était pas, t'avais dit que c'était le. Tu la sentais pas, t'avais raison, en fait. Tu la sentais pas, t'avais raison. Et Caris Titan qui a réussi à gagner sa course. Et c'est bien tant mieux parce que c'est un particulièrement sympathique compagnon de route. As de 11-9, c'est l'arrivée de l'avant-dernière course du jour à Châtine. On se retrouve maintenant pour la dernière. Le départ est à 11h05, un peu plus tard que d'habitude. À tout de suite. Dans cette course-là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais ça va aller. Avec une bonne vision, de l'ambition, ça va aller. Faire sa place n'est jamais facile. Mais ça... ça va aller. Avec la bonne équipe, avec le soutien des parieurs, avec un partenaire qui partage la même vision. Ça va aller. The Turf, partenaire d'Infinity Nine Horses. The Turf, une histoire de turfiste.
C'est déjà la dixième et dernière course de notre réunion 2 à Hong Kong. On voit des courses de référence tout de suite pour cette dernière course qui se déroule sur 1400 mètres, Gilles. Oui. Une classe 3, hein, donc c'est un bon niveau. Oui, c'est un bon niveau avec une position de favori pour le 8, hein, Patch of Tétard. Et là, on voit Aero Invincible qui s'impose lors de sa dernière sortie assez facilement sur ce parcours de 1400 mètres à Châtine. Et lui, il c'est numéro 14. Là, donc, il monte de catégorie, puisque c'était en classe 4 la dernière fois. Il est ouvert à 6,10 €, alors que le cheval est monté par André Azzeni et entraîné par Pierre Ng. Et ce sera seulement sa troisième course. Là, on a peut-être un cheval qui est capable de grimper encore un échelon, hein, Gilles. Oui, ça, c'est sûr, hein, puisqu'il a débuté à Châtine, à Hong Kong, le 25 février, par une deuxième place. On l'a vu tout à l'heure dans la course référence, battu par Loyal Bobo. Et ensuite, il s'est imposé assez sûrement, toujours sur le parcours des 1400 mètres. Alors, Loyal Bobo qui a bien gagné une deuxième fois. Il est toujours sur la distance de 1400 mètres. Tu le disais, c'est désormais une classe 3 pour ce partenaire de André Azzeni, l'entraînement de Pierre Heng. C'est le sel dans les salles de départ. Il fait partie des bonnes possibilités. D'ailleurs, il est très joué là-bas. Il est proposé, je crois, à 7,20 €, 2,50 € à la place. Et le favori, c'est le 8. L'As Amazing Victory, 22 contre 1, 5,30 € pour cet Amazing Victory, hein, qui reste sur plusieurs bonnes sorties, mais qui n'arrive pas à triompher. Il est troisième en dernier lieu de Youk Champion et de Green and White. Et là, il a tiré le 14 à la corde, donc ça ne facilite pas ses affaires, parce qu'il a réussi à... Enfin, il a eu des bons numéros de corde. Il avait le 4, le 2 avant, le 4 encore, le 6. Et il a quand même fait l'arrivée, mais sans pouvoir faire la différence. Et là, il a le 14 donc, et le top weight, donc ce n'est pas évident. Amazing Victory, hein, qui est associé à Hugh Bowman comme la dernière fois. Après, on passera au numéro 2, Green and White, qui Zach Burton, le cheval a le 9 à la corde, donc c'est pas extraordinaire, mais entraîné par Rick Yu. C'est un très bon cheval, un cheval très sûr, un cheval très qui fait tout, vraiment toutes ses courses. Il peut gagner aussi, il a gagné 2 de ses 5 dernières sorties. Il est dans sa catégorie, il est en classe 3, il n'y a pas de problème. Sur son parcours aussi, 1400 mètres. C'est le parcours sur lequel il s'est produit à chaque fois ces derniers temps. Il est monté par Zach Burton, qui lui reste fidèle. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, en vrai. Hein. Non, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, ce Green and White, qui est d'ailleurs très joué. Il est proposé à 6,10 €, 2,20 € à la place, là-bas. Ensuite, on a le 3 Fun Together. Alors, bah, là aussi, hein, Fun Together, on est bien connu dans cette catégorie. Fun Together, qui reste sur une quatrième place, devancé par Green and White et Amazing Victory. Ce jour-là, il avait le 13 dans les stalles de départ. Cette fois-ci, il est un peu moins mal loti. Là, mais il n'est pas très chounard. Il a eu quand même, là, sur les 5 dernières courses, y compris celle-ci, il a eu comme place de comme corde 11, 6, 14, 13 et aujourd'hui 10. Donc c'est. Il faudrait quand même. Et quand il a triomphé deux fois de suite, hein, le 26 novembre et le 1er janvier, sur 1400 mètres, ce Fun Together, il est déjà en octobre aussi, trois fois de suite en fait. Il a gagné. Oui, mais il est d'ailleurs toujours associé à l'apprenti Shaw, hein, qui bénéficie de livres de décharge. Ici, le 4 Simba, Jess McDonald pour Simba. Hein, lui, c'est par contre un profil différent, c'est un peu comme The Best Pitch, un cheval qui va toujours derrière et qui finit, excusez-moi. Oui, il a terminé quatrième de Green and White le 28 janvier. Alors, on fait un grand bond dans le peloton parce qu'on se retrouve avec le numéro 12, Righteous Arion, un pensionnaire de Tony Cruz qui vient de sceller le gagnant et de monter par Mathieu Chalou. Lui aussi régulier. 45 contre 1 malgré tout. Oui, et pourtant, il est très régulier, comme tu l'as dit, notamment à Happy Valley. La dernière fois, il avait le numéro 6 à la corde. Cette fois-ci, il a le 8 et il termine cinquième en finissant honorablement de Blue Marlin, qui est un très bon cheval, comme on le sait. Il était beaucoup plus joué hier, hein, parce que moi, je l'avais pris... À 19, pareil, ouais. Je l'avais pris en sixième favori de cette épreuve. Oui, je ne sais pas ce qui se passe, mais l'argent est parti ailleurs et on l'a complètement déserté, ce 12, Righteous Arion. On va surveiller les évolutions des cotes, peut-être qu'il y aura une remise à niveau. Le 2, Green and White, on en a déjà parlé, regardez-moi, ça, 6 mal. Je trouve que c'est assez généreux parce que le cheval, on ne peut vraiment rien lui reprocher, mais c'est dû au fait probablement que tout l'argent tombe sur... le favori de la course. Oui, on va en parler du 8, Patch of Tétard, parce qu'il est désormais à 2,60, 1,20 à la place, ce Patch of Tétard. Monté par Caris Titan, donc comme il vient de gagner. Monté par Caris Titan, alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, il a couru 5 fois
à Hong Kong, 5 fois à Châtine. Alors, il a débuté sur 1000 mètres, il a terminé 3e de Chemstak, il a ensuite couru sur 1200 mètres et il s'est placé derrière Hong Kong Hall, derrière Champion Instinct et derrière Parterre. Et puis la dernière fois, pour sa première sortie sur 1400 mètres, il a remporté un handicap, nanti du 4 dans les stalles de départ avec Hugh Bowman ce jour-là. Il devançait facilement Voyage Samurai, Golden Rise et autres Ariel. Là, c'est le numéro 3, Fun Together, on en a déjà parlé également, un cheval alsan, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses pour lui, il a gagné ses 3 courses consécutives, et il a prouvé dernièrement qu'il était capable de réussir aussi, et à nouveau, en classe 3, malgré cette grosse surcharge qu'il a prise, puisqu'il terminait 4e sur 1400 mètres de Young Champion. Et alors, Hugh Bowman, donc, qui a triomphé l'autre jour avec Patch of Theta, se retrouve sur un insider, oui. Bah, et c'est-à-dire qu'il monte Amazing Victory, qui vient de monter d'ailleurs aussi, donc méfiance, est-ce qu'il faut y voir un signe? Peut-être. Magnificent Nine, le 5 ici. Patch of Theta monte de catégorie quand même. Hein. Oui, Magnificent Nine a couru 4 fois à Hong Kong. Oui, il n'a pas été très heureux une fois d'ailleurs, il a couru très peu pour moi, il reste sur une 2e place derrière Blue Marlin, c'est très bien. Oui, c'est dans la course où Righteous Arion terminait 5e. Et la fois d'avant, il terminait 4e de Giddy Up, Blue Marlin également. Bon, il a le 11 à la corde, en revanche. Oui, mais Jack Purton l'a délaissé, hein, puisque c'est lui qui lui était associé la dernière fois. Isaac Purton, il a choisi de monter le 2 Green and White. Alors, il faut sans doute se méfier de l'As et du 2, hein, puisque c'est sans doute des choix de monte de Hugh Bowman et de Zach Purton, et qui sont là-bas les deux têtes de liste, je pense. Hein, c'est... Mais Amazing Victory est très surcoté, il est repassé à 23 euros maintenant, alors qu'il était à 17 encore il y a quelques minutes. Je ne sais pas ce qui... C'est curieux. Alors ici, c'est le 6 Sunstrider. Ah, point d'interrogation, Sunstrider, parce qu'il a couru une seule fois, il termine 6e, il termine plutôt pas mal, d'ailleurs il y avait 70 euros, donc autant dire qu'on ne s'intéressait pas du tout à sa candidature. C'était sur ce parcours-là, il avait le 6 à la corde, cette fois-ci il a le 1. Le 12. Non, il a le 12. Ah, le Sin Strider. Non, Strider. Je me suis trompé de ligne. Oui, ça m'arrive souvent. C'est Blake Sheen. Le Sin Strider. En plus, c'est Blake Sheen. Je méfierais beaucoup de ce numéro 6, mais on aura bien l'occasion de voir si. C'est David Hall. Hein, qui... Là, il y a 77 contre 1 pour Smile. Enfin, 76 contre 1 pour Smiling Time, oui, numéro 7. Voilà, c'est celui-là qui a le 12 dans les stalles de départ avec Luke Ferraris. Il a gagné à Happy Valley. Avant, il s'était placé. 1800 mètres, il est très raccourci ici. Et c'est surtout qu'il n'a pas couru depuis 11 mois. Oui, tu as raison, depuis le mois depuis le mois d'avril. Alors lui, il a dû faire des trioles à Tiarego. Veux-tu en voilà. Mais il a 76 euros, donc ça n'a pas dû être très... Je vais regarder tout de même ce dont il s'agissait. Et voilà le favori à Patch of Theta. Avec Caris Titan, Francis Louis pour l'entraînement. Et il rapporterait 25 dollars hongkongais pour 10 dollars. C'est quand même pas... Il est quand même vraiment écrasé d'argent. Ouais, c'est vraiment beaucoup d'argent. C'est 8, pas fait peut-être ça. Alors bon, je disais, hein, il n'a aucune fausse note dans son palmarès. Et puis le fait d'avoir évolué sur la distance de 2400 mètres pour la première fois, c'était sa première victoire. Donc, ouais, il avait fait en prenant son temps au début et en venant finir très c'est un fils de Zoustar. Le 9 ici, Big Red. Big Red, lui, il a un peu plus de métier à Hong Kong, mais il n'a pas couru depuis le 29 novembre et un échec à Happy Valley dans une course remportée par Shil Shibi qui a terminé 4e tout à l'heure du Hong Kong Derby. Big Red, c'est surtout, ben voilà, c'est surtout cette absence, hein, qui pose problème parce que on l'a déjà vu très bien faire, hein, sur 1400 mètres dans les classes 3 à Hong Kong, notamment à Châtine, 3e d'Happy Together, 2e de All Is Good et aussi 2e de Storm Legend. Bref, s'il n'y avait pas cette dernière fausse note et cette rentrée, alors il a dû avoir quelque chose, un problème ce jour-là, Big Red, puisqu'il était associé à Zach Purton le 29 novembre et il n'a pas couru depuis. Bon, ce n'est pas Zach Purton qui lui est associé. Le 10, Good Luck Queen, ici, il a couru 2 fois à Hong Kong, il est muni de hier. Big Red, il avait un problème de tendon. Ah oui. Il était non partant, donc en mois de décembre, et il n'a pas réussi à être admis par les vétérinaires à courir le 3 février, parce que ce n'était pas bien soigné, et donc le revoilà.
Ouais, enfin, ça incite pas beaucoup à la confiance. Hein. Non. La Good Ludwin, je le disais, deux sorties à Hong Kong en février à Sha Tin, suivi d'un échec à Happy Valley avec Alexis Badel, il avait le 6 ce jour-là. Bref, le 11, Kiema, dans les trois dernières sorties, ils sont très moyennes, que ce soit à Sha Tin, à Happy Valley ou Sha Tin. Il est ici opposé sur 1400 mètres, une distance qui lui avait réussi en Australie. Mais depuis qu'il est arrivé à Hong Kong, c'est moins bien, le 11 Kiuma. C'est un Siouni, mère par l'Oman, c'est vraiment une origine française, mais lui il est né en Grande-Bretagne, il est entraîné par Mark Newnham. Effectivement, on ne peut pas se dire que ce qu'il a fait récemment soit très convaincant. Peut-être qu'on peut regarder... Attends. Alors que ici nous avons le 13, Sequin. Sequin, là aussi, hein, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pour Sequin, hein, qui vient d'échouer hein, sur ce tracé dans une course où Magnificent Nine terminait deuxième, où Rick Teusarian était cinquième. Lui, il était neuvième, mais il avait le 11 dans les salles de départ. Il n'a aucune bonne performance à Sha Tin lors de toutes ses sorties. Ça fait plus d'un an qu'il n'a jamais, rien fait, Sequin. Non, c'est plus ça. Non, c'est pas ça. Il est proposé Sequin à 122 contre 1. Vous voyez, c'est pas la joie. Aero Invincible, là, c'est un peu plus sérieux comme candidature. Andrea Zeni, entraînement de Pierre Heng, vous voyez, 7 dans les stades de départ. Andrea Zeni qui s'est mis en selle, 71,50 pour 10 $ hongkongais. Bon, il fait partie des chevaux joués au même titre que le 2, le 5 et le 4, hein, qui sont les oppositions au 8, Patch of Theta. Alors, Sunstrider, il a fait un Bayer Trail récemment, c'est pas très concluant, il termine 7e de Nervous Witness, sans jamais s'être intéressé en fait à la tête de la course, enfin de la course, ouais, c'est des courses d'entraînement en vrai. Hein. Mais donc, c'est pas très très... c'est pas singulièrement attirant, or, pourtant, Sunstrider, il est encore à 14 euros, il est quand même assez joué, parce que quand on voit l'argent qui est pris sur Patch of Theta... Sunstrider, il est à 16. Il est parti à 16, ailleurs, mon timer. Ouais. Et chez nos amis The Turf, il est à... Voyons voir... Il est à 26, 27, pratiquement. Voilà. Oui. Est-ce qu'on a comme truc intéressant chez The Turf, le favori, c'est Patch of Theta, mais il était 4,60. Il y a 4,90 pour le 2, Green and White. Il y a également, parmi les cotes intéressantes comparées aux cotes hongkongaises, on peut citer le 4 Simba, qui est à 14 chez The Turf. Et également, qu'est-ce qu'il y a de le 5, Magnificent Nine, Brent Abdullah pour l'entraînement de John Size, qui est à 10 contre 1 chez The Turf. Il y a 7,20 pour Aero Invincible, c'est la même cote que là-bas à Hong Kong. Il y a très joué en France à Amazing Victory, alors qu'il ne l'est pas à Hong Kong. Je disais à Hong Kong, il baisse d'un point, cela dit. Amazing Victory à Hong Kong, il est à 21 contre 1. Ah, là on voit, le voilà, oui, avec Green and White, là, c'est Green and White ici. Avec Zaki. Burton, on est devenu ami hein, depuis qu'il nous a invités à cette belle victoire dans le Hong Kong Derby. Il nous a invités à payer l'avion, donc on hésite. Simba est très joué là-bas, hein, c'est 7-20. Oui, sache pas qu'il peut bien finir ses courses, c'est pour ça que peut-être les gens se disent qu'il va peut-être réussir à prendre un lot ici. Et puis alors vraiment, il y a des très grosses cotes, le 7, le 10, le 11 et le 13. Ces quatre-là, trois d'entre eux sont à plus de 110 et il y en a un autre à 77 contre 1. Bref, c'est pas l'engouement pour cela. Ici le 6, Sunstrider. Oui, un peu l'X de la course, il porte des peaux de mouton. Oui, il a couru qu'une fois là-bas à Hong Kong, sixième. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas véritablement de prise. Nous avons Fun Together 3. Un petit peu d'argent sur 12-3, le couplet 12-3, Fun Together avec le numéro 12. Ratius Arion, c'est quand même deux gros outsiders, hein. Donc ce n'est pas très significatif à mon avis. Non.
Ici, c'est le 9. Big Red, 29 contre 1, Big Red. Il disait, hein, pas couru depuis le mois de novembre. Associé alors à Zach Purton. On a parlé. Ici, le 13, c'est Queen, énorme outsider. Au patch of Theta, hein, ça sent quand même bon. Maintenant, Zach Purton et Hugh Bowman ont préféré. Mais c'est curieux. Ouais. Les deux, Green and White. Et là, c'est Amazing Victory, qu'il faut peut-être reprendre, Amazing Victory. Alors que vous avez ici Magnificent Nine, John Size. Et Paul, lui, dit attention aussi, Sunstrider. Ouais. C'est un peu le cheval qui a peut-être la plus grosse marge de progression là-dedans. Ça peut être la surprise. Et puis en plus, il est quand même, c'est une jolie cote. Hein. Oui, mais il n'y a pas d'argent. 17 euros, apparemment. Il y a un monte à 17 qui était le prix qui était ce matin. Hier soir. Pour l'instant, ça ne bouge pas tellement. Hein. Patch of Theta est vraiment le grand miche à 2,30, 1,30 à la place. Il y a un deuxième couplet gagnant qui est joué avec le 12. Matthews Arion. Oui. Je vois très régulier, il y a 30 euros. Il y a 38 contre 1. Ouais. Je m'attendais à avoir un peu plus d'argent sur l'As Amazing Victory. Pour l'instant, il n'y en a pas. Non. Et, c'est le 14 de la corde, ça fait peur peut-être aussi. Iron Invincible. Ça, c'est très bon aussi. Hein. Oui, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il a montré sans doute ses limites, mais enfin, Loyal Bobo a regagné depuis. Donc, Oui, non, il y a pas. Il y a 4 choses. Tu as raison, Simba est quand même très très joué parce qu'il n'est pas donné dans les pronos du tout. Il est à 7,70. C'est un des. Si tu veux, il y a Patch of Theta, le 8 qui est devant tout le monde à 2,30. Et derrière, il y a 4 chevaux à 7 équelles. Et les couplets avec le 12 baissent. Ouais. Il y a des prises pour les jumelles. Je vais lire Atheus Arion, c'est ce que je veux, ouais. Avec Tony Cruz et Matthew Chadwick. Ici, Iron Invincible à nouveau. Amazing Victory derrière. La Casa Academy rouge et vert, c'est celle de Fabio. Il n'y a pas beaucoup d'argent sur la gang. Sur ah, le favori, regardez. Il fait les siennes. Oh là. On peut perdre. Voilà, bah, allez. Je vais se faire remarquer. Le 12, hein. C'est parti. Il y a maintenant 4 couplets. Et maintenant, hein, 7 à la gagne. Et faute de mieux, j'ai l'impression qu'on se jette là-dessus. Oui, parce que là, c'est le 3 remonte également, Amazing Victory et Fun Together. 24 euros pour 1 euro là-bas. Bon, 2,30, un Patch of Theta. Fun Strider, hein, le 6 est à 16. Bon, il n'y a pas beaucoup d'engouement. Il y a 37 pour le 12, Righteous Arion. Ouais. Nick, hein, sa sélection, c'est 8, 14, 2 et 5. Bon, ce qui est d'une logique implacable. Patch of Theta. Magnificent Man, il y a combien, 6,80, il est passé à 7,50, toujours pareil, oui, ça ne bouge pas. Ça baisse sur Aero Invincible, hein, 6,70, en jeu simple. Il y avait 7,20 à un moment donné, il y a 6,70 désormais. Ah, Jenny, 14,8, 6,12, donc 14, Aero Invincible, 8,6. Patch of Theta, Sunstrider. Il y a un point de moins, Sunstrider, il y a 15 euros pour 1 euro. Simba, ça remonte. Green and White, ça remonte quelque peu. Magnificent Nine, c'est tenu. On bat ici. C'est splendide. Le 12, en jumelé. Le 12 qui est à 37. 6,70, Aero Invincible. Green and White, c'est l'heure un petit peu. Mm-hmm. Pas que ça traîne de trop. Quelle heure est-il? 0,5, normalement, c'est l'heure du départ. Et 15, Sunstrider. Là, c'est 24, toujours. Red n'est pas joué, le 7 toujours pas joué, c'est licence 13. La Magnificent 9 ici au premier plan, bleu clair, Patch of Theta. Derrière c'est Righteous Arion, la prise pour l'instant. Enfin, la prise. Un Patch of Theta. Hein, ouais, c'est énorme. Et le 12 toujours plus joué. Hein. Et oui, le 14 aussi, hein, Hero Invincible 6,50. J'ai l'impression que le 2 sur 4, 8 et 14, ça va bien quand même, moi. Non. Mmh. Vous en voulez? Oui, mais moi j'aime bien Green and White aussi, mais bon. C'est une course finalement, moi je trouve qu'il est assez ouverte aussi. L'As, Amazing Victory, comme tu le disais, lui aussi ça commence un petit peu à
On a quelques couplets qui parlent de chez de lui. Mais c'est pas vraiment, c'est pas non. comparable à ce qui se passe avec le 12. Avec Rectus. Ils sont en train de pénétrer dans leur stun, nos amis. Ouais, ça regarde aller. Le 14, hein, ça y va, hein. Ça y va bon train. 6-40, là, de plus en plus joué. Voilà, c'est pas joué. Le 3, pas joué. Le 5, c'est, il y a de l'argent quand même. Non, c'est enfin, les jumelés, il y a des jumelés avec le 6, un Strider, avec le 12, avec le 14, avec l'As. Ah, c'est des joints jumelés. Mais bon. 2-30, patch of Theta, hein, le 8, 6-40, le 14, Aero Invincible. Ouais, ils sont pratiquement tous dans leur salle de départ. Il n'y a pas beaucoup d'argent hein, sur les jumelés avec le 12, Righthouse Arion, avec l'As aussi, Amazing Victory. Ah. Voilà. Non, il n'y a pas de prise en jeu simple en fait. Ouais. Ouais, non, le 8 et le 14 vraiment font l'unanimité, tout au moins la gagne. Hein. Alors que les chevaux sont pratiquement tous dans leur stall. Le 5 résiste quand même. Ils sont pratiquement tous dans leur stall de départ. Il va rester le 11 Kiema, le fils de Siouni, 5 dans les stalls de départ avec Brent Thompson. On a l'air d'être... Oh là, ben on peut perdre. Tu m'as éduqué. Alors, les cotes, je regarde hein, une dernière fois. Ah, prise en bas, ça y est, c'est parti. Aero Invincible 5,50. Voilà, ben, Aero Invincible, il y a 5,50. Hein, oui. Et là, attention, là, s'il y a une prise. Hein. Ouais, 21, ça revient un petit peu, oui. Ouais. Ah, Kaïma, et voilà. Et Kaïma. Comme papa dans maman. Allez, tous dans les stalls, ils vont s'élancer pour cette dernière épreuve. C'est parti avec un excellent départ pour le 13, Sequin. Bien parti également le 3, Fun Together, mais également côté corde avec cette Kazakh, le 8, Patch of Theta, hein, qui est bien parti et qui est en quatrième position d'une course qui va être menée par le 13, Sequin. Sequin qui a l'avantage, très brillant à son extérieur. Aero Invincible en troisième position, Patch of Theta qui est côté corde. À son extérieur, c'est le 9, Big Red, encore plus à l'extérieur, le 3, Fun Together. Viennent ensuite le 4, Simba, qui est côté corde. À l'arrière-garde, pour l'instant, se trouve notamment Amazing Victory, hein, qui est en avant-dernière position, la dernière passe pour le 7, Spying Time. Et Green and White, un mauvais parcours, ouais, disons, il y a tout en dehors, regarde. Les concurrents qui sont dans le tournant avec le 13, Sequin qui a l'avantage, avec à son extérieur le 14, Aero Invincible, Patch of Theta est 3-4e, mais on est déjà sollicité avec le 14, alors que le Patch of Theta n'a pas encore l'ouverture et va tenter de venir dans le sillage du 13. Le 13 qui va s'écarter, qui va peut-être laisser le passage au 8, Patch of Theta. Oh, c'est très Fun Together qui vient, Green and White qui vient également, le 8 pour la victoire avec également le 2, et puis on vient très fort à l'extérieur avec le 5 qui est Magnificent 9, le 8 qui a toujours l'avantage, le 8 qui va s'imposer. La deuxième place sera pour le 2, la troisième place pour le 5, et la quatrième place sera sans doute conservée par Fun Together. Il y a fait la corde. Oui. Ah. C'est la corde, c'est le 6 Sun Strider peut-être. Qui vient de loin, qui était dernier. Hein. Alors, 8. 8, 2, 5. Attends. Pas sûr. 8, 2, 5, ça c'est sûr. 2, 5, et derrière, place, c'est 6 ou 12. C'est le 6. C'est le 6 qui est le quatrième, 6. Le 12 et le 3. Et pas voilà, Patch of Theta le favori qui fait honneur à son statut de favori. Il s'est mouillé, hein, Carlos Titan, il est venu à l'intérieur de Sequin. Et Green and White est le parcours le plus épouvantable, hein, je dirais. C'est magnifique ce qu'il fait. Et Magnificent Nine, troisième. Finir. Et puis Sunstrider, on l'a vu bien finir venant de très loin. Il était dernier pendant tout le parcours, on va le revoir d'ailleurs. Patch of Theta, hein, qui confirme son récent succès et qui s'impose et qui offre un nouveau succès à Caris Titan. Allez, on revoit l'épreuve dans son intégralité. Regardez Sunstrider, c'est le jaune qui est derrière là-bas, à gauche. Ouais, il est... Voilà. Donc il est resté, il est parti dernier, il n'a pas bougé une oreille. Hein. Righthouse Arion, le cheval sur lequel on avait vu une prise en rouge avec une toque blanche, il est là. Magnificent Nine qui est en dehors avec bleu clair. Il a le bon parcours, il est... Bah, il est derrière Green and White qui est en troisième épaisseur, qui va être obligé de faire un effort maintenant pour rejoindre oui. Fun Together qui est devant lui. Oui, et Fun Together qui est en troisième épaisseur. Et qui lui a personne devant lui. Voilà, mais pour l'instant Green and White, il a le bon parcours. Pour l'instant, il se fait ramener par Fun Together. Hop, il y en a un qui a sauté. Et donc du coup, il est obligé d'avancer.
Et là, il se retrouve... Ah, c'est-à-dire que le 10 est sorti. Il se retrouve en quatrième épaisseur. C'est le 10 qui nous sort sous le nez. C'est ça, c'est-à-dire Good Luck Win. Et donc, il se retrouve dans une position un tout petit peu délicate. Il arrive à le recaler dedans, mais c'est pas évident. Et Patch of Theta, lui, ça va, c'est que du velours. Mais c'est... Magnificent Nine, regarde en dehors. Non, c'est le... Oui, qui a un moins bon parcours. Voilà. Ouais. Et où se trouve Amazing Victory, il est complètement à l'extérieur. Et Sunstrider, il a fait le petit parcours. Lui, oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Bah, c'est-à-dire qu'il vient de derrière, mais il n'a rien pour le gêner, quoi, pour finir. Non, non, il prend le beau Patch of Theta, donc ça ne peut pas être beaucoup mieux. Et Patch of Green and White, il se fait moi, je me suis dit, c'est pas possible. Bah, il n'a pas gagné avec ça, mais Magnificent Nine vient. Righteous Arion, il vient complètement dehors. Il n'a pas eu le parcours idéal non plus. Mais bon, il a dû faire un effort de 500 mètres. Les autres ont dû quand même envoyer un peu plus tôt. Ouais, Simba, c'est... décevant. Mais... Simba, vous n'avez pas pu revenir. Non. Voilà, vous voyez, Charis Titan, hein, qui salue la foule et qui fait plaisir à ses nombreux admirateurs en s'imposant, le favori qui gagne la dernière. Ça fait plaisir, toujours. C'est une bonne, enfin, il y a eu les favoris, ont plutôt bien tenu leur... Oui, tout à fait, et on va retenir... Sauf quand je les ai joués, bien sûr. On va, oui, mais ça, nos amis s'en foutent. Et on va retenir la belle victoire de Zach Thurton sur Massive Sovereign dans le Hong Kong Derby, la 7e épreuve du programme, la plus belle course sur 2000 mètres. Et il devance un excellent Galaxy Patch, l'As associé à Black Sheen. Voilà. Supplémenté qui débutait sur 2000 mètres après avoir couru au plus long, c'était 1400 mètres. C'était quand même assez formidable. Oui. Voilà pour cette belle réunion de chatine qui se termine. On vous dit à une prochaine fois, Manu. Ça sera mercredi à Happy Valley. Et puis vous allez vous retrouver Auteuil cet après-midi dans l'émission ici en Paris avec sans doute Dominique Cordier, à moins que ce soit notre ami, comment il s'appelle, Samy. Samy, c'est Dominique. Il semblerait que ce soit Dominique qui cumule, il fait Vincennes et oui. Ah oui, il traverse Paris à une vitesse folle. Bon, allez. À bientôt. Bonne journée. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.